Et oui, mesdames et messieurs, une autre année terminée. Mon nom est Gilles Belle-Rose et c'est un honneur de vous accueillir sur ce quatrième travail qui va boucler la boucle sur une année de marde. On va se le dire, une année de marde. Et... Hein? Hello? Bonsoir tout le monde, c'est François Legault. Là. Je voulais juste profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Non, je vais lui asseoir. Là. Pas vrai qu'il va venir nous scraper notre travail, c'est pas vrai. J'allais donc vous dire que je vous souhaite un... Tabouelle. Oui, allô? Bon, ça a raccroché, là. Pourrais-tu juste dire à ta gang qu'à la CAQ, on a sauvé 20 000 personnes, là, avec nos mesures, là? Là, ça va faire, là. On l'a assez entendu au courant de l'année, ce gars-là. Êtes-vous d'accord? On répond-tu? Dernière fois. Oui, allô? Bon, là, je pense que c'est important que tu dises à ta gang qu'on va vendre nos batteries de char électriques. Hey, écoute-moi bien, là. On peut juste fêter Noël tranquille, mon os? Votre appel est important pour nous. Veuillez rester en ligne et un agent se fera plaisir de se faire plaisir aussitôt que possible. D'incompétent, excusez. Je suis un petit peu emporté. Donc, toute cette introduction-là, c'était simplement pour vous souhaiter un excellent char bail. Bonsoir tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas en la science, qui sont farouchement opposés à la vaccination. Ils sont extrémistes? Oui, et ces gens-là sont souvent extrémistes aussi. Ils sont racistes, peu scolarisés, ils puent. Ce sont en quelque sorte des terroristes. C'est carrément des pourritures de la société, là. Ces gens-là manifestent devant le Parlement d'Ottawa. Ils dénoncent également l'ingérence chinoise dans nos élections. C'est pas compliqué, ces gens-là, ils doutent de tout. C'est des trous de cul! Ils apprécient pas qu'on ait envoyé 9,5 milliards de dollars en Ukraine dans une guerre qui nous concerne absolument pas en pleine période de récession. Et nous, on est comme, ben voyons, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? On pourrait tous les envoyer dans des camps de concentration. Oui, en fait, à ce sujet-là, on a fait une appel d'offres. On travaille là-dessus. Je m'égare. Salut tout le monde, je sais pas si vous allez être nombreux à m'écouter en direct ou en rediffusion, en tout cas vous m'écouterez à un moment donné, sauf qu'aujourd'hui il faut que je vous dénonce l'imbécilité humaine. J'étais en train de gamer, j'étais en train même de sacrer une volée à mon chum au PlayStation, puis là à un moment donné c'est stationné un char noir en avant de la maison, je l'ai vu par la vitre, il a lancé un cocktail molotov par la fenêtre, ça a explosé, le feu a pogné dans le toit. Tu connais-tu bien du monde toi que le feu pogne direct dans le toit, man? Ça arrive pas ça dans la vie, c'est parce que je les dérange. Puis quand je les dérange, eux autres s'en viennent mettre le feu à ma maison, ils martyrisent mon chat, ils crament mes tires, ils pètent mon miroir, puis là, ben quand je m'envoie chez le garage, ils saccagent ma voiture. C'est des astis de touquets, man! Puis là, pire que ça, le sti de pancarte en arrière de moi, il veut même pas que j'aille chercher mon PlayStation qui est en train de cramer dans la maison. Mais là, sti de pompier va mettre un touquet tout à l'heure, man! Parce que on est 200 en direct, man! Et ils voient que ils sont complices de ce crime, mesdames et messieurs. Donc, partagez-moi ce live-là le plus que vous pouvez. Je vais essayer d'aller ramasser les enfants qui sont en arrière dans la cour. Salut tout le monde! On repart un live dans 15 minutes. Salut tout le monde! Je m'égare. J'étais en train de frencher ma soeur en dessous d'un corps de porte pendant un party de Noël à Sainte-Agathe-des-Monts. Rien de plus banal que ça. Sauf que 3 mois plus tard, je me suis mis à faire la fièvre. J'avais mal à la tête. J'avais même les hémorroïdes. Avant, j'étais entrepreneur général. Maintenant, je suis un comédien payé par la CAQ pour convaincre le monde qu'il y a une pandémie. C'est plus payant. Ce message de propagande fait partie d'un budget de 13 millions de dollars mensuels financé par vos taxes pour mettre dans la tête des adeptes de TVA que nous traversons une période pandémique mondiale qui risque d'éradiquer l'espèce humaine de la surface de la Terre. Chers amis, je dois vous annoncer aujourd'hui que les médias officiels vivent présentement des heures sombres. Aujourd'hui, je vous annonce que Québécois doit se séparer de 547 employés. Je dois reconnaître aujourd'hui que TVA a menti à la population durant la pandémie de COVID-19. J'admets aujourd'hui avoir accepté de divulguer de fausses informations en ce qui concerne le nombre de cas, le nombre de décès reliés à la COVID-19, l'efficacité des masques, l'efficacité des vaccins, le tout en bonifiant l'effet positif des codes QR sur la société. J'admets aujourd'hui avoir fait de la discrimination d'une partie de la population par les médias de Québécois, en traitant les gens de covidiots, de touristata, d'édentés, de sous-éduqués, et en laissant les chroniqueurs diviser la population,
Ces erreurs ont poussé les gens à aller s'informer autrement et j'en suis désolé. Malgré ces coupures, je voulais souhaiter à tout le monde, du fond du cœur, une magnifique année 2024. Bon, les caméras sont fermées, là? Ouais. Bon, parfait. Je vais pouvoir aller acheter les alouettes comme ça. Bonne journée tout le monde. Bonjour tout le monde, ici Samuel Grenier. Je suis présentement à l'aéroport de Mompactou. Présentement, j'attends là, pour prendre mon vol. Là. Bon, on va attendre qu'elle parle. Attention, les voyageurs en première classe en direction de Caillou-Moucha sont priés de se rendre à la porte numéro 17 d'ici une minute. Bon, OK, donc comme je vous disais, là, je vais être 100% franc et transparent avec vous. Je suis un peu stressé cette semaine parce que là, je m'apprête à partir pour mon voyage à Caillou-Moucha, aux Bahamas. Et c'est 40 000 piastres pour aller passer une semaine là-bas. Puis là, je pensais partir un mois, mais je comprends pas pour quelle raison est-ce que mes billets se vendent pas pour ma conférence sur l'impact des bobelles sales sur le climat. Olivier m'a dit, inquiète-toi pas, on a des super intervenants, tu vas voir, ça va être génial. C'est vrai qu'on a vraiment des super bons intervenants. On a des experts en bobelles sales. On a invité Luca Rocco Magnotta. Lui, il est contre les bobelles sales. On a aussi Daniel Pilon. Lui, il est vraiment neutre au sujet des bobettes sales. On a aussi Jérémy Gabriel, Jim Corcoran. On a le frère de Laurent Jalbert puis Gaston Lepage. Tout ça animé par Julie Lévesque. Donc, ça va vraiment être super. Fait que là, je me retrouve avec 160 000 piastres de voyage à payer. Donc, c'est bien beau, les petites étoiles. Si jamais vous avez la chance d'acheter un billet, même si vous venez pas, même si vous pouvez pas être là, même si c'est trop loin pour vous, on va vous envoyer un lien par Teams. Vous allez avoir 3 jours pour l'écouter. Donc, boudez pas votre plaisir. Oh, faut que j'y aille, mon avion est prêt. Mais moi, je vais aller me verser un glou-glou dans mon avion. Donc là-dessus, tout le monde souhaite une très belle année 2024. Et à bientôt, tout le monde. Bon, fait qu'en gros, c'est ça. Eux autres, ils se pètent la tête sur des dodons. Puis là, après ça, ils s'en vont se rouvrir un Facebook. Puis ils donnent leur astie d'opinion de marde d'attardé du calice. Parce que moi, en tant que société, j'ai pas le choix de ne pas accepter que du monde rit de gars qui se mettent des perruques pour aller lire des histoires à des enfants de 6 ans dans des bibliothèques. Fait que moi, c'est bien simple. Ces gens-là, là, je les tuerais à grands coups d'hache, esti. Je les démembrais, je leur chierais dans le corps. Je leur arracherais les c'est bras. C'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il dit, là? Je garderais même des petits bouts pour allumer mon poêle à bois avec. Pas le choix de faire une plainte à la police. Je mettrais ça dans mon bol de gruau le matin. Enfin, bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, madame. Je vous appelle aujourd'hui parce que je suis en train de regarder une émission troublante sur Internet. C'est l'émission de Mike Ward, en fait. Il y a un monsieur qui porte une robe, qui se pense une femme, une drag queen, finalement, qui dit qu'elle tuerait du monde à grands coups d'âge, tous ceux-là qui pensent pas comme eux autres. Attendez, là, vous avez dit que c'est un drag queen? Oui, oui, j'ai bien dit drag queen. Ah, ben non, ça c'est correct, ils ont le droit eux autres. Ben voyons donc, madame, si ça c'est pas de l'incitation à la haine, je me demande bien ce que c'est, là. Non, non, monsieur, c'est pas ça, c'est parce qu'en 2024, un gars qui se met une perruque, qui se maquille comme Patoff, il a le droit de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais essayez pas ça avec François Legault, par exemple. Ben voyons donc, c'est n'importe quoi, c'est de la discrimination, ça, madame. Non, c'est légal. Bonne soirée, monsieur. Bonne année. Ah, pis si je pouvais en pousser un en bas d'un troisième étage, ça ferait tellement mon bonheur. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne conscience qu'il y a une limite à laisser les dangereux de même en liberté dans la société. Les montagnards et leurs solutions contre l'inflation. Bon, ma chérie, tu nous as fait quoi, là, pour... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a comme dîner? Tiens, chérie, un délicieux velouté d'érable sapiné. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est des feuilles puis du sapin, là. Envoie-les manger. Comprenez maintenant pourquoi j'ai pas besoin d'aller. Bonjour les enfants! Moi, je m'appelle Bart Desbarras. Est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'est-ce que je suis? Un attardé mental? Non. En fait, moi, je suis une drag queen. Y en a-tu ici qui savent qu'est-ce que c'est une drag queen? Un monsieur bizarre qui se pense une madame bizarre? Pas tout à fait. Parce que ça peut être une madame bizarre qui se déguise en galoche aussi. C'est ça l'affaire. Donc là, maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est une drag queen, hein? Vous en avez une devant vous. Donc, vous voyez que j'ai des gros cheveux, j'ai une grosse robe, j'ai une grosse bosse. Donc, c'est ça une drag queen. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Ça vous tente-tu que je vous raconte une histoire? Oui! On va faire ça.
Donc, dans mon livre magique ici, j'ai toutes sortes d'histoires pour les enfants. On va aller en prendre une totalement au hasard. On y va avec celle-là. Donc, l'histoire va comme suit. Ça s'intitule « Deux garçons et un strap-on ». Il était une fois deux petits garçons nommés Justin et Macron. Tous leurs amis leur ont dit que le mariage entre deux gars, c'était impossible. Oui, ça se peut! Et si jamais il y a un de vos amis à l'école qui vous dit le contraire, ou si un parent vous dit le contraire, c'est qu'il n'est pas inclusif et il n'est pas admis dans la nouvelle société du World Economic Forum. Hein? Donc, une fois marié, Justin s'aperçoit que Macron a la syphilis grimpante, le tabarnouche! C'est là que Justin décidait d'aller au magasin de jouets pour adultes. Il achetait le plus gros jouet possible, histoire de faire payer Macron pour la syphilis qu'il lui avait refilée. Tiens, mon Macron, ça t'apprendra! Ben moi, je suis pour ça. Je suis vraiment pas contre l'idée et je suis vraiment ouvert à tout type de diversité, même que je dirais que c'est bénéfique pour l'enfant de savoir comment réagir advenant qu'il choperait la syphilis grimpante à 6 ans. Me demander à moi si je suis fan de Bardébara? Non seulement je suis pro Bardébara, mais il devrait en avoir plus des Bardébara. Parce qu'il devrait avoir plus de drag queens dans les bibliothèques qui vont lire des histoires à des enfants pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un dildo puis qu'ils peuvent se marier avec des personnes du même sexe qu'eux. Puis si jamais vous dites le contraire à la maison, ou si vous connaissez des gens qui disent le contraire, vous devriez les tuer à grève. Là, moi, vous dire quelque chose, moi, c'est pas trop ma génération, ces affaires-là, mais si l'enfant de 6 ans se sent demain matin comme un crocodile, on pourrait lui poser une queue de crocodile, une mâchoire de crocodile, et lui donner la viande de gazelle, vous comprenez? Et là, il se sentirait enfin lui-même un crocodile. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai avoué. Fait que, continuez, Bardébara, et tu as fait un bel job, un bon travail. Yeah! Tu t'égares. Bonjour, monsieur Drapassa! Là, c'est pas ça que vous avez affiché sur Internet à 300 000 piastres certains, là! Bonjour, madame Tremblay, j'espère que ça va bien. Ben oui, c'est ça, le petit coin de paradis que je vous avais promis sur Internet. Non, écoutez, je comprends votre inquiétude, je comprends que cette maison-là, de l'extérieur, semble avoir besoin d'un coup de peinture, mais attendez d'être à l'intérieur, vous allez comprendre que c'est pas qu'on la vend à 300 000. Oh, vous allez comprendre. La couverture est finie! Ah non, faites-vous-en pas, venez à voir, vous allez voir, vous regarderez pas. On dirait que je suis comme tout sûr! A few minutes later. Bon, madame Tremblay, quand on rentre dans la maison, on tombe directement dans la cuisine. On peut voir ici, c'est spacieux. C'est pas neuf. Un petit peu de ménage à faire. Et là, madame Tremblay, ce qui nous limite un peu, c'est que vous nous avez donné un budget de 300 000 $. Faut pas oublier qu'on est en 2024 et qu'en 2024, les maisons en bas de 300 000, faut pas avoir mieux que ça, ben, là. Puis là, on va vous dire un truc tout de suite. J'ai le temps d'acheter présentement. Parce que présentement, les taux d'intérêt sont à 7%. J'écoutais TVA hier. Le spécialiste, il disait que les taux d'intérêt allaient tomber à 10% en 2025. C'est le temps d'acheter, c'est maintenant. Bon, on va aller voir le salon. On va voir le salon. Si. A few inches later. Donc, le salon, moi, je considère que c'est pas mal une des pièces les plus importantes de la maison. Donc, à moi, ça. C'est vraiment le coin repos de la maison. Puis, une fois qu'on a enlevé moi d'humidité, là, ici, là, c'est A1. Moi, je vous invite à les comparer, là. Oh! Donne-moi une petite seconde. Wello! Hein? T'es pas sérieuse, toi, là, là? Merci de me l'avoir dit. On va dire ça à ma cliente. Merci. Mon Dieu, mais y a-tu quelqu'un qui est mort? Non, y a personne de mort. Juste les taux d'intérêt, là, viennent de passer à 8%. Hé, hey, 8%, ça monte donc bien vite! C'est exactement ça que je disais tantôt. Bon, on continue la visite? Je trouve ça laid, ça n'a pas de bon sens! 12 seconds later. Donc là, ici, Mme Tremblay, on arrive dans la salle de bain. Sur la fiche descriptive sur Internet, c'est écrit « Cette salle de bain-là est pas finie. » Et je suis pas d'accord parce que je trouve que cette salle de bain-là est complètement finie. Oh! Un petit peu, ça sonne encore. Wello! Ben non! Ben non! Arrête, là! OK. Non, c'est correct. Merci. Bye-bye. «
Ouais, les taux d'intérêt, ils viennent de monter à 8,5%. T'es pas sérieux? On va-tu voir la chambre des maîtres? Monsieur de la patience, parce que ça s'en vient cher un petit peu, je trouve, votre maison, 300 000, là. A few moments later. Donc ici, c'est la chambre des maîtres, et c'est pour cette raison-là que sur Facebook, on a inscrit que ça prenait un peu de tapisserie, un gros clean-up, un exterminateur et surtout un acheteur. Les vendeurs actuels sont plus capables. Ah, tabarnak. Un petit peu. Wello! Là, dis-moi pas que ça monte encore, là. Oui, monsieur Drapassa, c'est l'huissier. C'est juste pour vous dire que vous avez oublié de payer votre hypothèque depuis 6 mois. Donc, on est obligé de saisir votre toaster, votre piano, vos calorifères, vos rideaux, l'aquarium, le blendo, le set de salon, la TV, puis votre grand-mère qui était déjà mis dans vos draps. Et là, monsieur, vous allez devoir revenir à la maison à pied parce qu'on est en train de saisir votre véhicule maintenant. Bon, OK, ben, merci beaucoup. Merci. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, la prenez-vous, la petite maison. Je pense, moi, être honnête avec vous, monsieur Drapassa, je pense que j'aime mieux aller coucher dans la rue, là. Je m'égare. Les montagnards et les transgenres. Salut, papa. Salut, mon gars. Ça va? Oui, toi? Je voulais te parler de quoi? Ben, go, vas-y. Je voudrais être une fille. Vous êtes une fille? Oui. Vraiment? J'ai pas de problème avec ça. Je vais te montrer une affaire, ça. Viens à moi, quoi. Viens ici. Lâche pas, José. Puis, ma Joséphine, comment tu trouves ça, être une femme? Ben, c'est pas vraiment ça que je pensais. Hey, papa. Je pense que j'aimerais ça être un garçon. Je pense qu'il s'égare. Qui est le spécialiste? C'est qui l'expert des changements climatiques? C'est Serge Sénéchal. Bonjour tout le monde, mon nom est Serge Sénéchal et bienvenue à l'émission Le climat, c'est délicat. Moi, dans la vie, tout le monde me demande, Serge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon métier, c'est foresteur. C'est bien beau vous dire ça, mais ça fait quoi dans la vie un foresteur? Dans le fond, un foresteur, ça investigue sur la nature. Entre autres, on fait toutes sortes d'affaires. Comme exemple, on essaie de rendre le climat plus climatique. Puis les températures douces, un peu moins fraîches. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une émission pour essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour sauver l'humanité des méchants changements climatiques. On le sait tous, un char à gaz, ça pollue. Ça pollue parce qu'un char à gaz, ça a 4 tailleurs. Puis quand tes 4 tailleurs sont finis, tu fais quoi avec? T'es envoyé à don. Fait que c'est exactement pour cette raison-là qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du nouveau char électrique de la compagnie Pif Paf. Regardez-moi ça. Un beau bolide. Ça, avec ce char-là, tu peux faire 0 à 50 km/h en 15 minutes. Fait qu'en résumé, ce char-là, derrière de moi, c'est le nouveau petit bébé d'une compagnie mondialiste chinoise qui veut réduire la population mondiale. Fait qu'à cette heure, imagine-toi que ça fait 2 heures que tu fais du bumper à bumper sur le pont de quartier, puis ton char décide qu'il explose. Tannant, ça. Fait qu'à ce temps, imagine-toi 2 secondes que ce char électrique-là, les portes se portent tout seul. Fait que si ton char pogne en feu, tu peux pas les ouvrir. Donc si tu peux pas les ouvrir, ça fait plus de monde qui cuise. S'il y a plus de monde qui cuise, c'est que ça fait moins de monde dans le monde. S'il y a moins de monde, ben le climat change moins. Puis moins le climat change, mieux c'est. Donc justement, la semaine prochaine, j'ai été invité à aller débattre dans une conférence sur le climat organisée par Samuel Grenier. Il y a 2-3 petits climato-sceptiques là-dedans, là, je vais en faire rien qu'à me boucher. Achetez vos tickets. Donc là-dessus, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission du Climat c'est délicat avec Serge Sénéchal. Bonjour tout le monde à Succube Radio. Aujourd'hui, je suis en entrevue avec le charlatan. Non, dis pas charlatan, dis pseudo-scientifique à la place. C'est-à-dire ce pseudo-scientifique qui a écrit sa biographie et qui prétend avoir sauvé des vies avec l'hydroxychloroquine. Monsieur Raoult, entre vous pis moi, là, est-ce que vous trouvez pas ça un peu prétentieux d'affirmer sauver des vies avec un produit que tous les autres scientifiques du reste du monde entier affirment qu'il fonctionne pas? Bon, tout d'abord, je me doutais bien qu'en venant ici, il y aurait des amalgames foireuses et ça vous appartient parce que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas scientifique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons concrètement sauvé des vies grâce à l'hydroxychloroquine. Richard, laissez pas parler de même, là. Faut que tu fasses pareil comme si c'était toi le scientifique. Donc, moi, Monsieur Raoult, je m'informe sur tout ce qui est médias traditionnels, TVA, Québécois. Et là, je m'aperçois que tous les experts de Québécois disent tous la même chose. L'hydroxychloroquine, ça marche pas. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Bon, écoutez, ce que vous pensez, je m'en fiche. C'est pas vous les experts. Moi, je suis pas journaliste et vous n'êtes pas scientifique. Nous, on analyse les données. On tire des conclusions. On remplit des fiches. On remplit des tonnes de papiers et on s'aperçoit que c'est concluant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous aimeriez que je vous dise? Tu laisses trop parler, lui, là.
Mais ça, c'est pas de la science, ça. C'est du politique. Et vous, vous faites du politique. Richard, sacrement, il va te boucher. Dis quelque chose. Monsieur Raoult, je vais vous couper 30 secondes. On va aller faire une pause publicitaire. On revient tout de suite après. On s'égare. Je peux pas te faire de diagnostic. J'ai pas tous les diplômes qu'il faut. Mais vu que je te trouve ben sympathique, puis que tu veux que je te fasse un topo. Bilan biopsychosocial de notre condition humaine, un genre mi-ange, mi-animal, sur cette planète qui se démène. Eh bien, j'oserais affirmer que on est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pas. On est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pas. Survécu au COVID, le gel, les masques, les plexiglas, les discours aux odeurs fétides, des marionnettes au regard vide, les morts d'un CHSLD, congédiement injustifié, les PME qui touchent le fond, les millions en contravention, les experts des plateaux TV, pas plus experts que toi et puis moi. Il y a eu le trafic d'humains en prime, la farine d'un sexe sublime, les guerres d'Ukraine, de Palestine, le dry queenisme, le transgenrisme, les décès par coïncidence, la COP28, puis tout le monde danse. Ben oui, on est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pattes. On est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pas. On a survécu au chemtrail, aux fluorures, aux fausses nouvelles, toutes les alarmes, suites cellulaires, la saisie des comptes bancaires, l'enquête nationale citoyenne, les procès, les poursuites, bon yen. Quand est-ce que ça va aboutir? Garde le moral, fais-moi un sourire. Comme l'avait dit M. Harari, les inutiles Harakiri, il y a moins de soldats sur le champ de bataille, les effets secondaires des rails, l'inflation va changer du reste, à moins qu'on se bouge un peu les fesses, troquer, troquant, tournicotis. Qu'est-ce que tu fais de bon? Je vends des radis. On est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pattes. On est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pattes. Au moins pour nous désennuyer, on a les Kings, vive le hockey. Une autre magouille de subvention pour TVA, Vidéotron. Pico, 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 pico. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. On est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, encore debout sur nos deux pattes. On est fait fort en Simonac, pas des flammes ou du bric-à-brac. On arrive en 2024, du caribou, tu la goûtes pas. La li 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 la li. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission du Doc Mailloux et José. Bonjour Doc. José. Doc, je me permets une question. Est-ce que vous avez mangé pas mal de dinde à Noël? José, laisse-moi te dire, la seule et unique dinde qu'il y avait dans la cuisine cette année à Noël, c'était ma bonne femme. Inutile de te dire que j'ai pas mangé de dinde cette année à Noël.
Je ne sais pas pour quelle raison, je m'attendais pas à d'autres réponses que ça venant de votre part, Doc. Est-ce que vous permettez qu'on aille prendre un premier appel? Certainement, José. Très bien. Donc, on a un premier appel. Il s'agit de Steve. Bonjour, Steve. Hey, salut! On vous écoute, Steve. Allez-y. Ça va être un doublé. Allez-vous finir par aboutir? Allez-vous finir par nous dire quelque chose? Sinon, on passe à un autre appel. Écoute. Ça va être un doublé. J'appelais aujourd'hui, c'était rien que te dire que je peux pas parler. Mais pour quelle raison vous appelez si vous pouvez pas parler? Mais justement, Doc, la raison pour laquelle je t'appelle aujourd'hui, c'était pour te dire que j'ai plus le droit de rien dire. Ben écoute, si vous pouvez rien dire, on va passer à un autre appel. Très bien, alors le prochain intervenant, on a Joe au bout du fil. Bonjour, Joe. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous allez être nombreux à m'écouter en direct ou en différé. On est environ 2000 à vous écouter, allez-y. Bon, en gros, tout le monde, je voulais vous dire de voter pour l'Union nationale. Ils ont martyrisé mon chat, ils ont brisé mes miroirs, ils ont vandalisé mon char au garage. Les policiers sont venus m'arrêter chez nous, ils ont mis le feu à ma maison. Tout ça, c'est parce que je dérange, man. Fait que moi, en tant que chef de l'Union nationale, je vous le dis aujourd'hui, on va les régler, les problèmes du Québec. On va rappeler aux policiers c'est quoi leur déontologie. On va aller prendre des échantillons d'eau. On va rappeler Joe, qu'il faut libérer Joe, les Autochtones. Je vous arrête. Combien de votes avez-vous eu aux dernières élections? On en a eu précisément 28, mais on vise le 35 pour les prochaines élections. Bye, Joe. Bye. Il se fait du mal pour rien. Il sera jamais élu, il sera jamais utile à la société. On passe à notre appel. Prochain appel, au bout du fil, on a David. Bonjour, David. Bonjour, David. Allô, Doc, je suis live. Oui, oui, vous êtes live. On vous écoute. C'est parce que j'ai acheté un micro au Dollarama. Le vendeur m'a dit que ça marcherait bien, mais je pense que c'est de la merde. Maudite cochonnerie de technologie. Hein, José? David, je t'arrête, ça coupe beaucoup en ce moment, donc on va essayer de vous laisser le temps de régler vos problèmes de microphone, puis on vous pourrez rappeler plus tard. On va aller prendre un autre intervenant. OK, rappelez. Donc, présentement, au bout du fil, on a Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Allez-y. Alors, bonjour, mon nom est Jean-Jacques Crèvecoeur. Je suis conférencier de renommée internationale depuis plus de 40 ans et je voulais vous parler aujourd'hui de cette bande de psychopathes milliardaires qui tentent de diriger le monde vers un totalitarisme absolu qui, je l'entends souvent dans mes questions quand le monde me demande « Jean-Jacques, comment puis-je faire pour résister à cette invasion mondialiste qui, assurément, nous mène vers... » Oups, j'allais flasher, sans faire exprès. Je suis désolé, Doc, j'ai accroché le piton. Mais au bout du fil, par exemple, en ce moment, on a David tantôt qui avait des problèmes de micro, donc il est revenu. Bonjour, David. Rebonjour, Dave. Allez-y, on vous écoute. Allô, est-ce qu'il y a du son? Cette fois-ci, on vous entend très bien. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes tours à légumes. David. Ici, c'est pas une place pour vendre des légumes. Mais je peux vous vendre des produits Life Prout, d'abord. David, vous le dis une deuxième fois. Ici, c'est pas une place pour vendre vos cochonneries. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Sinon, vous raccrochez. Mais si vous aimez mieux, je peux vous parler de Manon. Ah, tiens. Manon. Intéressant. Vous l'avez connue, Manon? Bon. On avait pris un verre. Son chum était parti à Puerto Plata, puis on est allé faire un tour dans son cabanon. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans le cabanon? Ben ça, c'était un peu touché, Doc, parce que au début, elle m'a fait une joke, elle m'a demandé si mes bobettes se mangeaient. Continuez! Mais là, Doc, pas besoin de faire un dessin. David, pourquoi vous ne dites pas simplement c'est quoi le problème avec Manon? Ben, le problème majeur avec Manon, c'est que j'ai oublié mes bobettes dans son cabanon, pis c'est son chum qui les a trouvées en cherchant une aiguine. Ouais. Tu vois, José, des problèmes comme ça au Québec, il y en a de manière récurrente. Le problème, c'est qu'on n'a pas les psychologues pour les traiter. Puis quand on parle des traités, on les met sur des antidépresseurs. On passe à un autre appel, José. Bonsoir tout le monde! En fin 2023 qui s'achève, c'est une nouvelle année qui débute et j'aimerais en profiter pour faire mon coming out! Ciao, bye petit Albert! Vive petite Alberte! À moi les contrats de télé, Radio-Canada, TVA, ah la télé-réalité, Disney, ma biographie sur Netflix!
enfin pouvoir débuter ma tournée mondiale en commençant par les écoles primaires de Laval ou encore les bibliothèques. En tout cas, ça va être bien plus payant que faire des lives. Fini les contributions volontaires et des demandes de dons. Fini la censure. Je vais enfin être une star des médias sociaux. Ça me dérange pas les jaloux parce que moi, je suis enfin vraiment heureux. Je vais pouvoir convaincre les enfants du monde entier que l'important, c'est pas d'être soi-même, mais d'être différent. Je vais défendre la diversité parce que c'est important qu'on pense tous pareil. Hey, 8 milliards d'humains, s'il fallait vraiment qu'on pense par nous-mêmes, ça serait bien trop fatigant. Les enfants, vous avez le droit d'être belou, même avec des piercings puis des cheveux arc-en-ciel. Puis si vos parents sont pas d'accord, vous pouvez m'écrire en privé. Moi puis mes nouveaux amis Antifa, on va tuer l'ultra-droite à grands coups de hache parce que nous, les deux SL LGBTQIA+, on est dans le vrai amour. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2024. Mouah, plein d'amour, des arcs-en-ciel et des licornes. Ciao, bye 2023. Petit Albert dit bonjour à 2024. Santé! Ce segment est une présentation du gouvernement du Québec et des 24 millions de dollars offerts à la communauté de SLGBTQIA+. Bienvenue tout le monde au TDA Nouvelles. Une nouvelle étude démontre que vous avez 99% des chances de mourir d'une crise cardiaque d'ici 2 ans. En effet, les experts ont découvert 3 nouvelles raisons pour lesquelles est-ce que vous pourriez mourir d'une crise cardiaque. Raison numéro 1, tenter de tondre votre pelouse au mois de février pourrait augmenter considérablement vos chances de faire une coïncidence. Raison numéro 2, vous brosser les dents plus d'une fois par jour augmenterait de 97% les chances de mourir d'une crise cardiaque si vous êtes âgé entre 3 et 108 ans. Et si jamais vous mangez de la roche comme cette personne, vous risquez qu'une roche se glisse à l'intérieur de l'artère principale du cœur, la bloque et fasse une coïncidence. Il y a maintenant du développement dans le dossier de l'OVNI abattu par la US Air Force à la frontière canadienne le 11 février 2023 dernier. L'armée américaine nous a envoyé une vidéo qui nous démontre comment les choses se sont passées. On écoute. Bonjour Joe. Hello. C'est Justin. Justin Bieber? Non, c'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Ah. Je voulais simplement t'annoncer que nous avons repéré un OVNI entre la frontière du Canada et celle des États-Unis. Alors vite, il faut peser sur le piton nucléaire? Non, je ne pense pas que nous avons besoin de l'arme atomique pour régler ce problème. Est-ce que ça va? Je vais envoyer les avions de chiasse tout de suite. Je suis présentement en route pour aller retrouver l'objet qui ne s'identifie pas. Est-ce que tu vois l'OVNI? Pas encore, Monsieur le Président. Je ne suis même pas président. The election was stolen. Je l'ignorais, Monsieur Biden, je l'ignorais. I'm not president. L'objet est à proximité, Monsieur Biden, je le vois. Bon, je vous laisse engager le combat. Moi, j'ai des oreilles d'enfant à les sniffer. Sur une note plus positive maintenant, la pseudo-chanteuse Emily Paul a dévoilé son tout nouveau vidéoclip cette semaine qui s'intitule « L'illusion de la devine ». On écoute un court extrait. De retour dans la complosphère maintenant, nous apprenons que le très célèbre animateur Daniel Pilon n'aurait toujours pas trouvé de microphone à la hauteur de sa légende. Là, je veux juste vérifier quelque chose avec vous autres. Je veux juste vérifier si mon gars de son il a fait une bonne job. Parce que là, j'ai acheté un micro plus high-tech.
Puis le gars du Toys R Us m'a dit, si t'achètes ça, mon Dan, tu te trompes pas. Le son fuzzera pas. Quand tu parles, ça coupera pas. Il y aura aucune distorsion. Ça reverb pas non plus. Il y a pas de grichage. Ils m'ont même dit, Dan, ta voix se déformera jamais. Donc là, dans le chat, on me dit que ça griche. Ça coupe. Ça distorsionne. Puis qu'en plus, il y a du reverb. Je vais essayer de jouer un petit peu avec le fil, là. Il est ici. Non, il est là. Je vais jouer un petit peu avec le fil, là. Est-ce que le son, il est bon? Alors, ça vient tout juste de m'être signalé à l'oreille. J'apprends que l'animateur de Lux Media, André Pitre, a une nouvelle qui pourrait mettre sa vie en péril. On va directement dans les studios de Lux Media. On écoute ça. Bonsoir tout le monde. Ici André Pitre en direct du studio de Lux Media. Je le sais, ce soir, je vous avais parlé d'une bombe, mais là, tandis que j'ai votre attention, je voulais juste vous parler d'une chose. Gilles Bellerose m'a demandé de faire tirer ses billets pour son spectacle. Puis étant donné que Gilles Bellerose, il est pas drôle, puis qu'il est pas capable de vendre ses billets lui-même, il est tellement mauvais qu'il est même pas capable de donner ses propres billets. Puis étant donné que lui, ses fans, c'est tous des cornets, contrairement à ceux de Lux Media qui eux autres comprennent tout du premier coup, j'ai quand même décidé de faire le tirage. Donc pour celles et ceux qui voudraient participer à ce fameux tirage, sous ma publication, vous devez mettre une photo de votre grand-mère en speedo léopard avec un bébé ornithorynque dans les mains. Et si vous faites ça, vous allez remporter des billets pour aller voir Gilles Bellerose en spectacle. Donc, mes chers amis, je vous avais promis une méga bombe, une bombe qui pourrait mettre ma vie en danger et celle de Caroline aussi. Ce soir, je vous promets, vous allez voir qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache. Mais nous, à Lux Media, on a les contacts nécessaires et on est entré justement en contact avec un scientifique de l'île d'Orval. Et ce scientifique-là nous a fourni des informations troublantes, mesdames et messieurs. Sans plus attendre, on va aller regarder ça. Il s'agit de spermatozoïdes de non-vaccinés. Donc, comme on le voit là à l'écran, présentement, il y a de la vigueur, c'est vivant, ça bouge, tout va bien. Et maintenant, on va aller regarder à l'écran. Ceci est du spermatozoïde de gars vaccinés. Ça, là, chers amis, là, ça va faire des futurs injectés non-binaires habillés comme Raël sous l'opium. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voyons. Et si vous faites ça... Ah, oh, Monsieur Pitre, combien de fois qu'on vous a dit de ne pas parler du sperme de vacciner? Venez faire un tour de valise avec nous. Sergei, ce gars-là rentre pas dans ta valise de char. Inquiète pas, on va le faire rentrer. Allez, viens-t'en, toi. On lui souhaite la meilleure des chances. Sur la scène politique maintenant, Justin Trudeau avait un discours à la nation à faire, toujours muni de sa puce rectale qui l'empêche de mentir. On écoute ce qu'il avait à dire. Chers Canadiens, Canadiennes, face aux heures sombres que nous traversons, je voulais vous rassurer. Oh! Je veux dire... Je voulais vous assurer que l'économie du Canada va de mieux en mieux. De mieux en pire. De moins en plus mieux. Je veux dire, un temps soit peu mieux. Moins pire que mieux. Je veux dire, de moins en moins bien. Et que bientôt, les Canadiens auront plus de liberté financière. Je veux dire que vous serez plus libres financièrement. Je veux dire que bientôt vous pourrez faire des économies. Ce que j'essaie de dire, c'est que notre cabinet n'a pas été infiltré par le World Economic Forum. Je veux dire que je n'ai pas été mis en poste par la Chine. C'est pourquoi je suis 100% transparent avec vous. Nous avons engagé un contributeur et un bon ami de la Fondation Trudeau afin de faire toute la lumière dans ce dossier. Parce que la corruption n'a pas sa place au Canada. Je voudrais également profiter de ce moment unique pour donner une main d'applaudissement à un grand soldat ukrainien qui s'est battu à nos côtés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on a retrouvé Diane Lanalle en direct de nos studios de TDA Nouvelles. Je crois qu'aujourd'hui, Diane a un nouveau variant pour faire peur aux matantes. Ben oui, Gilbert. Après l'Omicron, l'Alpha puis l'Oméga, il y a eu le variant Tétépan puis le Técav. Mais là, présentement, on a le variant le plus dangereux de tous les temps. C'est le variant T-débile. Pour vous donner une petite idée des symptômes que vous allez avoir si jamais vous poignez le variant T-débile, vous allez avoir des démangeaisons à des endroits que vous soupçonnez même pas l'existence. Et maintenant, à la météo, allons retrouver Gisèle. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Gilbert. Vous êtes présentement à Joliette? Effectivement, on est à Joliette en ce moment et on se rend compte un 31 décembre à la grande déception des enfants, c'est qu'il n'y a aucune neige. Aïe, 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 un jour de l'an sans neige. Est-ce qu'on peut parler de changement climatique, Gisèle? Effectivement, Gilbert, c'est exactement ça, les changements climatiques. Et même pire que ça, les experts s'entendent tous pour dire qu'en janvier, il va y avoir une canicule. Gilbert?
Il neige! Il neige! Un 1er janvier, il neige, Gilbert! Oh, mais derrière vous, Gisèle, il semble avoir un début de formation de tornade. Mais là, Gisèle, derrière vous, c'est pas dangereux, ça? Il semble avoir des débris, là, puis des vaches qui flottent. Ben oui, Gilbert, c'est maintenant chose connue. Les vaches qui volent font maintenant partie du quotidien, Geneviève. Oh, attention, derrière vous, Gisèle! Ouf, j'espère que le caméraman s'en est sorti. C'était Gilbert Rose pour le TVA Nouvelle. As-tu vu le cul de la vache en gros plan? Gilbert, t'es encore live. Esti. Je m'égare. Ben là! Ben, je mets un masque au sapin. Ils l'ont dit à TVA Nouvelle, ça donne la grippe. Oh, Lise, c'est un arnaque, Lise. T'es un sapin artificiel. Avez-vous vu ça? Il m'a redonné mes médailles. Encore, Colin! Non, mais c'est à quoi qu'un garçon? Il fait un job, hein? Il fait un job! Bon, là, moi, je vais vous le dire, là. 2023, pour moi, ça a été une année extraordinaire. Extraordinaire! Sérieusement, il y avait tellement de belles nouvelles à la caserne, dans l'armée où est-ce qu'on travaille. Premièrement, pour tous les hommes, maintenant, ils nous donnent des tampons de toilette. Ils nous donnent des tampons, des vrais! Au cas où que les messieurs aient leurs règles, hein? C'est quand même merveilleux. Ils donnent des serviettes sanitaires aussi, hein? Au cas où que les messieurs, ils saignent, là, du pipi, hein? C'est pas gentil, j'ai rien qu'un peu d'équité. Ils nous donnent aussi des tests de grossesse. Des tests de grossesse au cas où que les hommes t'en mangent, parce qu'on a le droit. On a le droit! C'est quand même un devoir, un privilège. C'est notre dû. C'est notre dû! On a le droit de tomber enceinte. Oh, c'était pas une affaire juste pour les filles, quand ils nous donnent du post-natal. Le post-natal, c'est quand on est enceinte, c'est pour nourrir nos fœtus. Alors, je vous dis ce qui se passe avec l'armée en ce moment, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté! Là, moi, je vous le dis, là, il y avait la guerre en Ukraine. On paraît-il qu'il l'a encore, mais il en parle plus. La vraie guerre qui est importante maintenant, c'est la bande de Gaza! Pis ça, c'est une guerre qui est extraordinaire. Parce qu'avant, les hosties de complotistes, ils s'ostinaient comme quoi que l'Ukraine, y était pour, pis nous autres, on écoutait le câble, pis l'affaire qui était importante pour nous, c'était d'être contre la Russie! Pis là, nous autres, hosties, on se faisait raconter n'importe quoi par les complotistes, pis c'était difficile, psychiatriquement. C'était difficile. Mais là, ils sont arrivés avec la plus belle guerre au monde. Sont arrivés avec la plus belle guerre au monde! Premièrement, une guerre qui existe depuis toujours. Depuis toujours. La deuxième affaire, depuis 25 dernières années, ils nous ont toutes montés contre les Arabes. Avec des films, avec les terroristes, avec le 11 septembre. Puis de l'autre côté, il y a les Juifs, puis c'est impossible de parler des Juifs. Parce que si quelqu'un dit quelque chose, il est antisémite. C'est réglé! Fait que c'est la plus belle guerre au monde. Là, c'est certain, on va tous être d'accord. On va tous être d'accord! Il n'y aura pas personne qui va dire qu'ils sont pour les Palestiniens, parce que c'est tout. Ça serait des hosties de malades. Puis il n'y a pas personne qui va dire qu'ils sont contre Israël, parce que ça serait des hosties de malades. Hein? C'est-tu pas beau? Fait que là, moi, je vous dis, on vit dans un beau pays. Encore une fois, j'ai commandé sur Wish ma petite face en carton de Kim Jong Trudeau. Et ma femme broye toutes les soirs. Toutes les soirs en regardant la photo, en regardant le portrait. Là, sérieusement, là, je recherche sur Internet la poupée en silicone de Justin Trudeau, parce que définitivement, je me dis, je pense que je pourrais sacrer mon cœur de la maison, ma femme s'en rendrait pas compte, si j'y donnais une poupée en silicone, Justin Trudeau, elle se débrouillerait, et là, moi, je vous le dis, je pourrais aller me cacher dans un buisson éternellement avec ma nouvelle cocaïne présidentielle. Non, mais je vous le dis, je suis un peu tendu depuis que j'ai commencé à sniffer la cocaïne canadienne. Mais au final, sachez que c'est une bonne tension. Hein. Vous savez, en vieillissant, on a des tensions, mais pas toujours là où ça nous tente. Et Colin de Colin. Et là, je vous le dis, là, Kim Jong Legault, hein, Legault du côté du provincial, il nous a passé une loi. Il a dit, à toutes les fois que quelqu'un se promène avec un masque, Colin,
Donnez-y 5 piastres. Oh, ben, sacrement, j'ai fait une scène. Je vais juste me promener dans... Bon, évidemment, je triche un peu. Je me promène dans les résidences de personnes âgées. Puis eux, ça fait partie. C'est the new normal. Hein? Porter un masque, c'est the new normal. Mais là, bref, j'ai eu, comme on dit, des vents à travers les buissons. Certains oui-dire qui me disent qu'on va recommencer à avoir le droit de brûler des livres. Effectivement. Parce que paraîtrait-il que dans les livres, il y a du savoir, et ce type de savoir-là, ce n'est pas le type d'information qui est recommandé par nos paliers de gouvernement, et vous savez à quel point je recommande tout ce que nos gouvernements disent. Alors évidemment, sur la liste, j'ai vu qu'il y avait par exemple « The power of positive thinking », comment réfléchir de manière positive, bien sûr, évidemment, ça fait partie des premiers livres à brûler. On veut que les gens dépriment! Excusez-moi, j'ai encore des reflux de cocaïne présidentielle. Donc, bref, au final, je vous dis, c'est une très belle année 2023, et paraîtrait-il que l'année 2024 va être encore pire, ou mieux, tout dépendant de quel côté on se situe, hein, évidemment. Alors, je vous le dis, je pense que 2024 va être merveilleuse, parce que premièrement, les gens vont perdre leur maison, ils vont habiter dans la rue, ça va être beaucoup plus simple pour moi de leur courir après pour les vacciner. Dans un deuxième temps, paraîtrait-il que la nourriture sera inabordable, des gens vont être dans la rue en famine. Je pourrais leur faire croire que le vaccin est nutritif. Ils en redemanderont. Bref, c'est toujours beau d'être du côté du pouvoir, d'être du côté du militaire. Et évidemment, c'est la carrière que j'ai choisie, celle de ne pas réfléchir au détriment de la population. Alors évidemment, je suis très heureux que vous m'ayez écouté pour ce joyeux temps des fêtes. Mon nom est Caporal Marcel Gauchon! Et on se revoit pour un autre épisode des Amis de la Dictature. Salut tout le monde! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur, et bienvenue à ce live très spécial. La raison pour laquelle je suis attriqué de même ici aujourd'hui, c'est que Belle Rose m'a appelé l'autre fois, puis m'a demandé d'y cuisiner une dinde pour le char-bail. Donc, dans ma générosité habituelle, j'y ai dit, ben oui, pourquoi pas. Mais avant, on va aller regarder dans le chat pour voir qui c'est qui est là. Alors ici, on a Micheline, Annick, Mireille, Janine, Ginette, Josiane. On a également Véronique, Huguette et Gisèle, mesdames et messieurs. Et vous avez remarqué, Gisèle, ça rime avec dentelle. Des jokes, mesdames et messieurs. C'est un des jokes. Là, je viens de voir dans le chat qu'on a également Manon. C'est le fun de constater que c'est pas nécessairement tout du beau monde qui regarde le Chabay en direct. Donc, évidemment, là, vous en doutez, on pourra pas nommer tout le monde, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans le chat. Mais on va commencer à cuisiner la principale intéressée. Non, mais regardez ça, comment est-ce qu'elle est belle, ma dinde. Calme-toi, dame. Calme-toi. Là, je suis au courant que ma dinde, à première vue, elle semble pas très grosse, sauf que j'ai économisé sur le prix parce que cette année, il y a juste Sylvain Laforêt et mon chien de garde qui ont accepté de venir souper. Donc, sans plus attendre, on va y aller avec la partie délicate qui consiste à farcir la dinde. Donc, ici, on a une pomme. Et là, le premier but est de trouver l'orifice de la dinde qui est juste ici. Donc, on commence à la farcir. Il y en a qui parlent d'état profond. Ça, c'est un autre genre d'état profond. Donc, on rentre ça. Faites-vous-en pas, elle est morte. La dinde, elle sent absolument rien. Elle va prendre ça comme une aspirine. Et voilà. Là, je le sais, parmi vous autres, des fois, il y en a qui aimaient ça rajouter un petit peu de goût. Des fois, je rajoute même un orange. C'est important d'enlever l'étiquette avant de mettre l'orange. Donc, on enlève l'étiquette, comme ça. Et on introduit l'orange dans l'orifice. Et voilà. Là, rendu à ce stade-ci, c'est là qu'il y a beaucoup de monde qui manque leur coup. C'est rendu le moment de badigeonner la dinde avec de la moutarde. Donc, peu importe la marque que vous allez prendre, ça va faire la job. Donc, on y va comme ça. Je l'avais dit que c'est une opération délicate. Donc, assurez-vous que la moutarde est sur le bon bord quand vous en mettez. Donc, on va en mettre un petit peu. Donc moi, j'aime ça, la moutarde. Fait qu'on en met quand même pas mal. Et voilà, mesdames et messieurs, il y a assez de moutarde. Maintenant, on peut la badigeonner tranquillement, pas vite, comme ça.
Ça donne des sensations également, donc il faut quand même contrôler ses pulsions. Faites-vous en pas sans rien la dinde, là. Donc, une fois que vous pensez que la dinde a eu son plaisir, vous vous lavez les mains. Donc, maintenant que la dinde est bien badigeonnée et que mes mains sont lavées, moi, ce que je vous recommande, si vous êtes des amateurs de goût, c'est peut-être de rajouter une petite cuillerée de beurre de peanut dans l'orifice à l'arrière de la dinde, juste ici. Donc, ça vient boucher comme il faut, là, le trou, là. Donc, voilà, maintenant que c'est bien bouché, on est prêt à mettre ça dans le four à 650 degrés pendant une heure. Donc là, par pur respect pour l'animal, vous la déposez dans le four. Donc tantôt, je vous disais de mettre ça à 650 degrés, mais le maximum, c'est 550. Donc mettez ça de même pendant une heure, puis on se revoit tantôt. Donc pendant que la dinde a cuit, j'ai des produits Life Prout. Ça, Life Prout, il y a plusieurs personnes qui m'accusent que c'est pyramidal. Mais je peux vous dire que c'est pas une pyramide nécessairement, parce qu'une pyramide, ça a plusieurs côtés, et nous autres, c'est juste un triangle comme ça. Donc, la façon que ça marche, c'est que moi, je suis comme en haut ici, et toi, t'es quelque part en bas de la du triangle ici en bas, et toi, t'essaies de recruter d'autres mondes qui vont engraisser mon compte de banque. Donc ça, c'est pour les produits Life Prout. Donc, pour celles et ceux qui aimeraient ça arrondir leur fin de mois ou qui aimeraient tout simplement ça consommer des bons légumes frais, regardez ce que j'ai fait pousser dans ma tour à jardin, des bonnes oranges. Donc, moi, je mets ça dans ma salle de bain à côté de la toilette. Ça prend pas de place, ça fait beau, c'est comme esthétique. Et ça finit par faire des bons légumes, comme on peut le constater là. J'ai également fait pousser des cantaloupes comme ça. Ils sont délicieux. Regardez les belles pommes. Les pommes de ma tour à jardin, ça, c'est vraiment délicieux. Elle est vraiment bonne, la pomme. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, est-ce que la dinde est prête? Donc, une heure plus tard, mesdames et messieurs, ça donne ceci. Vous voyez que l'orifice de la dinde s'est rétréci. Donc, ça a recraché l'orange, mais c'est pas grave parce que le goût est imbibé. Donc, on sort ça. Alors voilà, mesdames et messieurs, qui complète notre expérience culinaire en ce Chaubaï 2023. Je vais déguster ça avec Sylvain Laforêt ainsi que mon chien de garde. Donc en terminant, mesdames et messieurs, je voulais simplement vous mentionner que j'ai fait breveter cette recette de dinde à l'orange et à moutarde que vous pouvez vous procurer directement sur mon site internet en dessous de la section impôts. Donc partagez-moi ce live-là, tout le monde, il faut que ça fasse le tour de Saint-Marcellin. Tu sais, Amélie, que la statue de Baphomet, ça représente la sagesse. Ah ouais. J'imagine que tous ceux-là qui sont à la recherche de scandales vont sauter là-dessus. Eh oui. Les montagnards et leurs solutions contre l'inflation. Élie, m'en vais en casse, m'en ramener de la bonne viande, c'est-tu. On va en aller. Ouais, pis le monde de la ville, eux autres. Le monde de la ville? Ouais, j'ai pas de bien avant la ville. J'ai une solution pour vous autres. Ah, je vous reviens avec ça. Solution pour la ville? La chasse aux coquerelles. Oui, oui. Je vais laisser Tania vous expliquer comment capturer des belles coquerelles. C'est vraiment simple. L'étape numéro 1, on se laisse traîner une couple de jours, les croûtes de pizza sur sa terre, en voyant, on fait pas la vaisselle. Puis là, les fameuses coquerelles vont arriver. On trouve un appât, des croquettes de chien, miettes de biscuits. On se prend une petite boîte, un petit bâton et une corde. Et on attend le petit animal. Quand il se présente, hop, un petit coup. Et voilà, un délicieux repas protéiné. Pour un adulte, 5 coquerelles. Pour un enfant, 3 coquerelles. Et en plus, vous allez être in parce que manger des insectes, c'est tendance. Puis venez pas me dire qu'à Montréal et à Québec, vous n'avez pas. Sur ce, bon temps des fêtes. Yo, les insoumis, j'espère que vous passez une excellente soirée, que ça soit seul ou accompagné. Puis comme on dit, ciao, bye, à 2023. Moi, j'aimerais ça vous partager la révélation que j'ai faite cette année. Bon, ça va sembler bien banal pour bien du monde, mais pour la militante en moi, c'était une révolution. En 2023, j'ai compris qu'on pouvait ni combattre ni résister à l'obscurité. La seule affaire qui fait disparaître la noirceur, c'est la lumière. Mais comment briller? Comment faire émerger, rayonner notre lumière intérieure? En transpirant de l'amour.
L'amour, c'est la clé. Fait que pour 2024, je nous souhaite collectivement de suer de l'amour par chaque pore de notre peau. Bonne nouvelle année tout le monde, je vous aime. Sauf les gouvernements. Puis toutes les hosties de journaleux véreux subventionnés. Puis aussi ceux qui ont encouragé les injections. Mais surtout pas à ceux que, hein, ils ont fait injecter des bébés puis des enfants. Toutes vous autres, mangez donc de la marde. Ben là, Mel, hein? T'es incohérent ton message, là. Tu parles d'amour, mais t'envoies chier presque tout le Québec au complet. Ouais, ben là, il y a ben des hosties de limite, là. Je m'appelle pas Jesus. Je m'égare. Bonne année à tous les insoumis. Mouah. Vous savez, mesdames et messieurs, d'une année à l'autre, on se dit toujours, ils feront jamais pire l'année prochaine. Il faut jamais les mettre au défi, ces gens-là. Parce qu'en 2023, on en a eu quand même pas mal pour notre argent. Et dans un post Facebook, je vous avais demandé quels sont les éléments les plus marquants de 2023. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est ensemble qu'on va aller découvrir le montage de l'année complètement débile que fut 2023 et se baser sur vos suggestions. Le caucus dit oui au dépôt d'un projet de loi pour faire passer leur salaire annuel de 101 à 131 000 $. Un mariage entre deux gars, ça se peut même pas. Oui, ça se peut. On parle d'environ 600 à 700 postes qui seraient abolis aux télédiffuseurs publics. Est-ce que vous avez remarqué que ça a augmenté cette semaine? Oui. Au sol, à 8 km des flammes, des pompiers venus en renfort de Québec, Lévis et Saguenay arrosent la forêt sans relâche. Je viens d'être attaqué. Un groupe d'antifa. L'engin manque à l'appel depuis hier à 370 km de Terre-Neuve. Charles III, 74 ans, est couronné dans l'abbaye de Westminster. God save the king! Là, je viens d'acheter des viandes froides, là, puis c'est 13$ pour un petit paquet de jambon sandwich, là. J'étais comme crève, s'il te plaît, là. Ben oui! Partout au Québec, les infirmières et autres professionnels sont sur les piquets de grève. Très bien, si le vaccin marche, il y a dû avoir. Il y a donc ce vaccin qui marche si bien, il ne doit plus y avoir de COVID. Vous avez vu qu'il y a moins de COVID, vous? Un 50 cents, 60 cents de plus. Là. C'est le retour du port du masque obligatoire dans les établissements de santé. Les 547 employés touchés par les compressions reçoivent leur lettre de licenciement. Pourquoi acheter les alouettes? Puis c'est vous qui l'achetez, c'est pas Québécois. Là. Le gouvernement de la CAQ va octroyer une subvention entre 5 et 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles. Come on! Come on! Really? C'est sûr qu'on assiste à une nouvelle révolution industrielle presque au Québec. Apprendre les... Oh non, je me sens pas bien. Posez peut-être la question, est-ce que je vais me faire vacciner pour la COVID ou non en vue des rassemblements, des fêtes? Ben oui. J'ai tué à grands coups d'âge, hostie. Je viens tout juste d'avoir le vaccin contre la grippe. Dans les prochaines secondes, ce sera au tour de celui contre la COVID-19. Je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses dans la société qui faisaient plus de sens. Une enseignante non-binaire a plutôt demandé qu'on la désigne par une formule non-genrée. Mix. Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau ont annoncé leur séparation après 18 années de mariage. Mon compte Twitter a été remis en fonction. Il y a une augmentation de 10 à 15 de la mortalité globale au Canada à cause des changements climatiques. Aujourd'hui, j'ordonne à notre commission de la Chambre d'ouvrir une enquête officielle en destitution à l'encontre du président Joe Biden. Lise Dion a été victime d'un malaise. Les filles? Oui. Les gars? Oui. Mais ça se fait pas? Non. Ah non, c'est ben trop genré pour les Gémeaux. OK. Go fuck yourself. Katia Bissonnette a été informée que sa rivale était une femme trans. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé samedi qu'un objet non identifié a été abattu alors qu'il survolait le nord-ouest du pays. L'abolition de 547 postes au total. Le Canada a refusé la publication de contrats parce que la directrice de Pfizer a dit « Si vous publiez le contrat, ça pourra remettre en cause notre capacité à commercialiser avec vous. » La plupart d'entre vous vont être d'accord pour souligner que l'année 2023 a été pour certains une année très difficile. Et on peut souhaiter le meilleur pour 2024. Je le sais, j'entends déjà dans ma tête des gens qui vont dire « Oui, mais Gilles, t'as dit la même affaire l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant. » J'en suis conscient. Chers amis éveillés, je voudrais prendre 30 secondes pour souligner la présence des gens qui se battent au quotidien et qui sont seuls en ce 31 décembre.
Sachez que lors de ces trois dernières années, vous avez peut-être perdu des amis, la famille. Mais pour chaque personne que vous avez perdue, vous en avez gagné 10 qui pensent comme vous. Et le Chowbail, c'est pas seulement un rassemblement de sketchs drôles. Le Chowbail, c'est également une magnifique occasion de se rassembler tous en famille. Chers amis, c'est avec un maximum de gratitude que je vous annonce que toute la grande famille de Guns N' Roses va passer à l'année 2024 dans... 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Je m'égare! Je m'égare! Je m'égare! Je m'égare! Je m'égare! Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. On s'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Bonne année. Je m'égare. Je m'égare. Bonne année. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare! Frontline Laurentide! Je m'égare! 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 En cette fin d'année 2023, je tiens à adresser un message de la plus haute importance. Tout d'abord à tous les journalistes des médias subventionnés par nos impôts, journalistes que j'ai traités à plusieurs reprises de putes ou de prostituées, en particulier Isabelle Haché, Brigitte Noël, Denise Bombardier, paix à son âme, Patrick Lagacé et Richard Martineau, bien sûr. Un message de la plus haute importance aussi à tous les scientifiques et les médecins, plus souvent présents dans les studios de radio et de télévision que sur leur lieu de travail, mais bon, ça les regarde. Un message de la plus haute importance à tous les députés, les sénateurs, les ministres et les présidents, toutes couleurs, politiques confondues, tous pays confondus, qui nous ont donné de vraies leçons de démocratie et de responsabilité en cette sombre période de notre histoire. Un message de la plus haute importance aussi à tous les fact-checkers et les zététiciens de ce monde qui se donnent corps et âme pour nous remettre sur le droit chemin de la pensée correcte. Et en particulier, à Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch, Tristan Mendes-Rance, Julien Pain et l'inénarrable Aude What the Fuck. Un message aussi à tous les bons citoyens qui ont manifesté depuis 4 années, ou peut-être depuis toujours, la docilité qui était attendue d'eux dans cette période de crise d'une ampleur inédite. À vous tous, j'aimerais vous dire, pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'avoir douté de la gravité de cette pandémie que vous annonciez comme plus grave que la grippe espagnole de 1918-19. Pardonnez-moi de vous avoir soupçonné d'essayer de nous refaire le coup de la grippe H1N1 de 2009, grippe déjà annoncée comme apocalyptique et qui, finalement, a fait moins de morts que la grippe saisonnière habituelle. Pardonnez-moi d'avoir osé vous accuser de sucer plus de bites que les prostituées, pour reprendre cette constatation coquine de Blanche Gardin. Je reconnais que ça manquait beaucoup de respect à l'égard de ces travailleuses du sexe qui, elles, ne se cachent pas derrière les apparences de la bienséance. Pardonnez-moi d'avoir pris la parole dans un débat dans lequel vous ne m'aviez pas invité, alors que je ne suis spécialiste de rien, et vous me l'avez répété à plusieurs reprises, face à ces questions qui menacent l'avenir de l'humanité. Je ne suis ni médecin, ni virologue, ni infectiologue, ni statisticien, ni climatologue, ni politologue, ni sexologue, ni proctologue. Qu'est-ce que ça vient faire, ça ? Pardonnez-moi d'avoir contaminé les consciences influençables et fragiles de quelques millions de ces pauvres âmes perdues en quête de réponses rassurantes et simplistes, alors que les crises auxquelles nous faisons face sont d'une complexité qui dépasse de loin mes compétences intellectuelles. Pardonnez-moi d'avoir semé le doute et la suspicion dans l'esprit de ceux que vous considérez comme mes adeptes, et qui du coup se sont progressivement détournés de vos communications quotidiennes sur nos urgences sanitaires, nos urgences climatiques, nos urgences énergétiques, nos urgences financières et nos urgences d'inclusivité. Pardonnez-moi d'avoir persévéré, avec obstination en plus, lorsque vous m'avez enlevé ma chaîne YouTube, forte de 13,5 millions de vues, espérant ramener le troupeau de mes 235 000 abonnés dans cette bergerie que vous leur aviez préparée.
et dont ils n'ont pas voulu d'ailleurs. Pardonnez-moi de ne toujours pas avoir compris la leçon lorsque vous avez détruit ma page Facebook, forte de 20 millions de vues et de 363 000 abonnés enthousiastes. Je n'avais pas compris que c'était pour notre bien que vous vous démeniez jours et nuits afin de nous ramener dans le droit chemin de la vérité. Je n'avais pas compris non plus que notre sécurité et notre protection vous tenaient à cœur plus que tout. Je n'avais pas compris que vous étiez à ce point déchiré d'être obligé de piétiner les différentes chartes des droits humains, de nous ôter toutes nos libertés fondamentales pour protéger les populations de cette gangrène qu'est la désinformation. Je n'avais pas compris l'humiliation que vous avez subie, vous, les journalistes grassement payés par les milliards de subventions gouvernementales, c'est-à-dire par nos impôts, lorsque vous avez découvert que, malgré tous vos efforts, le public se détournait de plus en plus de vos communications médiatiques et préférait écouter avec passion des ozos bénévoles, animant des émissions de réinformation, bricolées avec des bouts de ficelle sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas compris non plus la frustration que vous avez ressentie, vous, les experts, qui êtes financés, il faut le dire, par les organisations internationales et par les multinationales milliardaires, lorsque vos propos ont été remis en cause par des hommes et des femmes de terrain qui n'avaient rien à gagner, mais beaucoup à perdre, ruinant par là vos efforts pour nous guider vers la lumière de votre savoir. Je n'avais pas compris non plus à quel point vous, les politiques de ce monde, étiez tant attachés à Klaus Schwab, votre père spirituel par qui vous aviez été adoubé pour devenir les chevaliers de ce nouvel ordre mondial qu'il appelle de ses voeux. En fait, j'avais rien compris durant toutes ces années d'errance, perdues dans mes délires paranoïaques et conspirationnistes. Vous aviez raison, finalement, je ne suis qu'un gourou en mal de gloire, de reconnaissance et surtout en mal d'argent. Après tout, nous faisons face à des urgences colossales et vous ne pouviez pas être ralenti dans votre course effrénée pour sauver la planète par de futiles considérations telles que les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Vous aviez raison d'affirmer en cœur avec les responsables de l'OMS que les complotistes, les conspirationnistes, les covidistes, les covidosceptiques, les édentés, les covidios, les conarovirus et les touristata, les adeptes de la mouvance d'extrême droite, les gourous, les antisémites, les antisciences et les antisociaux, les antivax surtout, représentaient le danger le plus grave pour l'intégrité et la santé de l'humanité. Vous aviez raison de soutenir que seul un partenariat public-privé était en mesure de nous sauver d'une destruction certaine, partenariat où nous, les pauvres, devions nous priver, contraints et forcés, du peu que nous possédions pour soutenir les efforts déployés par les fondations philanthro-capitalistes de nos généreux milliardaires qui, au passage, mais c'est bien normal vu le mal qu'ils se donnent, ont vu leur richesse toucher des sommets jamais atteints. Vous aviez raison de donner à la population désorientée des repères solides et clairs à retenir. Ça va bien aller. Portez votre masque, c'est votre nouvelle liberté. Tous vaccinés, tous protégés. Objectif, zéro carbone. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais dû m'improviser lanceur d'alerte et gardien de l'humanité. Qui étais-je finalement? Quelle légitimité avais-je pour prétendre éclairer ceux et celles qui pensaient devenir fous en ne comprenant plus la pertinence des mesures que vous nous imposiez d'une seule voix? Je n'aurais jamais dû tenter d'expliquer l'inutilité des masques, l'inutilité de la distanciation sociale, l'inutilité des tests PCR, l'inutilité du lavage des mains et du confinement, en m'appuyant sur des sources pourtant tellement suspectes et critiquables aux yeux de la science. Je n'aurais jamais dû alerter mes semblables des dangers que représentaient ces injections de matériel génétiquement modifié déguisé en vaccin, alors qu'un virus d'une extrême virulence nous guettait à chaque coin de rue, comme pour nous planter un couteau dans le dos. Je n'aurais jamais dû non plus sauter de mon combat anti-covidisme à un autre combat, qui était la critique de l'urgence climatique, la dénonciation de la dictature ukraino-nazie, la critique du wokisme, du genrisme ou de l'idéologie des droits sexuels. Déjà dans le dossier Covid, je m'étais rendu ridicule, mais pour les autres dossiers, c'était bien pire. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai mérité les honneurs du rapport annuel de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en 2022 en France. Pourquoi aussi une émission complète m'a été consacrée sur la chaîne d'Arte? Et pourquoi Conspiracy Watch me cite régulièrement dans ses chroniques? Finalement, je ne fais que récolter ce que j'ai semé. Que voulez-vous? J'étais trop bête pour comprendre qu'il était légitime et nécessaire
d'achever les vieux dans les résidences pour personnes âgées à coup d'injections létales pour ne pas surcharger les hôpitaux désespérément vides. C'était légitime. Mais j'étais trop bête pour comprendre qu'en étant en bonne santé, j'étais un malade asymptomatique qui s'ignorait. Et dangereux en plus pour les personnes fragiles. Personnes fragiles d'ailleurs dont je faisais partie, puisque j'ai plus que 60 ans. J'étais trop bête aussi pour comprendre qu'il était logique de compter comme non vaccinés des personnes ayant reçu leur injection depuis moins de 14 jours, histoire de nous ôter toute envie de faire des liens de cause à effet entre le vaccin salvateur d'une part et les millions d'effets secondaires et de morts survenus dans les heures et les jours qui suivaient leur vaccination d'autre part. J'étais trop bête aussi pour comprendre que la surmortalité des jeunes en bonne santé était une illusion véhiculée par le lobby anti-vax. Ben oui. Alors que tout le monde sait que cette surmortalité s'explique facilement, d'après les experts évidemment, par le réchauffement climatique ou aussi par l'excès de pratique de la sieste, figurez-vous. J'étais trop bête aussi pour comprendre que même si les émissions de CO2 d'origine humaine ne représentent que 0,00004% de la masse des gaz à effet de serre, nous devrions tous nous mobiliser pour éradiquer la principale source de vie sur Terre, à savoir le carbone. Décidément, oui, je crois que je suis trop bête pour comprendre tout ça. Alors, trop bête et définitivement irrécupérable. J'ai beau essayer de me convaincre de tout ce que vous me dites, c'est comme si toutes vos idées s'inversaient en entrant dans mon cerveau. Alors, tant pis, puisque je suis un rebelle irrécupérable, je continuerai à me battre pour ces chimères, ces illusions que sont la vie, l'amour, le respect, la vérité, la beauté, la bienveillance. Je continuerai à me battre pour que les individus qui me croisent grandissent en conscience, en amour et en compétence, pour qu'ils vivent libres intérieurement et en accord avec le champ de leur âme. Je continuerai à me battre pour déchirer les voiles du mensonge, de la propagande et de la manipulation des masses, pour que la vérité nous affranchisse de nos chaînes d'esclaves. Je continuerai à me battre pour que les plus faibles, les sans-voix, les plus démunis, retrouvent une structure qui les protège de la rapacité des puissants de ce monde. Je continuerai à me battre pour que mes filles puissent me dire un jour « Merci d'avoir fait de ton mieux pour que notre futur soit un peu moins sombre pour nous et nos enfants. » Je continuerai, mais je m'égare. Alors, profitez pleinement de cette année 2024 qui s'annonce pleine de défis et saisissez l'opportunité qu'elle vous offre pour montrer au monde ce que c'est d'être un véritable être humain. Bonjour, ici Alexa de Rebel News. Aujourd'hui, nous avons assisté à une scène totalement inacceptable alors que des enfants ont été mis en contact avec des hommes qui se sont dénudés dans une exposition lors d'une exposition. Je suis présentement avec Bardebada ici à ma droite. Et Bardebada, aujourd'hui, est-ce que vous cautionnez le fait que des enfants ont été mis en contact avec des personnes complètement flambant nues? On parle ici d'hommes là, dans la cinquantaine. Bon, c'est sûr et certain que si tu me poses la question à moi, je vais te dire un corps, c'est un corps. Il faut habituer les enfants à voir des corps nus, ça, il n'y a pas de problème à ce côté-là. Moi, je pense que si c'est fait dans la classe, dans la dignité, que l'enfant se sent respecté, qu'il y a l'accord des parents, je vois pas pour quelle raison est-ce qu'il irait pas se mettre tout nu devant des enfants de 6 ans. Par contre, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est parce qu'ils sont encore là, ça m'intéresse, moi. C'était Alexa Lavoie pour Rebel News. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un jeune Américain est allé au front en Europe. Et là-bas, il a retrouvé un ancien, celui qui était en guerre depuis plus longtemps que lui, dont un autre soldat américain beaucoup plus ancien. Il s'est lié d'amitié et il considérait l'autre comme son mentor. Donc, pendant les guerres, pendant les opérations militaires, il essayait de faire comme l'autre qui était là depuis plus longtemps que lui. Alors, il y a quand même un certain nombre d'événements qui se sont produits qui l'ont étonné. C'est qu'un jour, il se retrouve au front, en première ligne, et ils entendent des tirs de soldats allemands qui se rapprochent. Et il a quand même suivi une formation militaire. Il sait comment réagir devant une telle situation. Et il voit d'autres soldats un peu plus proches qui font ce que lui pense qu'on doit faire. Mais sauf que le soldat le plus ancien qu'il considère comme son mentor, lui, ne se gêne pas. Il reste à découvert et il n'y a pas de problème. Mais heureusement pour eux, les tirs des soldats allemands s'éloignent.
l'unité allemande n'a pas fait ce qu'elle voulait faire, donc ils ont la vie sauve. Une deuxième fois, ils doivent traverser un champ, et leurs supérieurs ont dit que pendant que vous allez traverser le champ, il faut faire très attention parce que les Allemands ont planté des mines antipersonnelles. Mais pendant qu'ils sont en train de traverser le champ, le soldat le plus ancien, lui, s'en fout. Il marche sur le champ n'importe comment. C'est alors qu'il dit à l'autre, mais attention là, tu n'as pas entendu ce que nos supérieurs nous ont dit, il y a des mines, il faut faire attention. Et il répond au plus jeune, c'est ce que je souhaite depuis. Je veux marcher sur une mine, mourir et en finir avec cette guerre. C'est la situation qui se produit généralement quand on vit dans un conflit très long. Et actuellement, ça fait presque 4 ans que nous sommes dans le conflit que nous vivons. Un conflit différent, mais mortel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, des suites de confinement, des industries qui meurent, des suites de vaccination et beaucoup d'autres choses. Des relations familiales sont détruites, des couples sont détruits. Les féminicides qui ont explosé en grand nombre, ils n'en parlent plus beaucoup depuis que le confinement a réduit. Tout ça, ce sont des conséquences directes, sans oublier les destructions qui se sont produites dans la vie des enfants. Des gens qui n'ont pas pu se faire soigner à temps, et ainsi de suite. Je ne vais pas citer toutes les choses, vous les connaissez mieux que moi. Mais le problème, c'est que c'est cette histoire que je vous ai racontée s'est passée vers la fin de la guerre. Et voilà un soldat qui avait tenu très longtemps, qui voulait en finir, ne sachant pas que, quelques temps après, les alliés allaient triompher. Je pense que nous sommes en train de nous approcher de plus en plus vers la fin et vers la victoire finale. Même s'il pourra arriver, et je crois personnellement que c'est ce qui va se produire, que les choses soient pires pendant les derniers instants. Mais ce sera le chant du cygne, ce sera leur dernier grand effort avant que nous ne célébrions notre victoire. Moi, je peux simplement souhaiter que, en cette année 2024, qui est à nos portes dans quelques secondes, que nous tenions ferme, que nous ne relâchions pas tous les efforts et tout ce que nous avons produit depuis mars 2020, nous allons enfin être récompensés, pas avoir des récompenses matérielles ou même des reconnaissances humaines. Ce n'est pas ça qu'on est en train de chercher. Reconnaissance de voir la vérité enfin triompher. Parce que la vérité est un insubmersible et le mensonge a une date d'expiration. Merci, bonne année. Aujourd'hui, je m'en viens vous parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur et que j'aimerais vraiment sensibiliser les gens le plus possible à une nouvelle espèce d'humain, les transbi non-binaires non-genrés. Et la vie, c'est vraiment formidable parce que juste à côté de chez nous, ils viennent d'aménager un de ces nouveaux genres d'humains avec des vies remplies de couleurs. Puis moi, ben, j'adore ça, la couleur. Et récemment, j'ai justement mieux appris à connaître mon voisin qui s'appelle Rogerte. Sauf que l'autre fois, je me suis trompé et je l'ai appelé Roger. Et là, il s'est mis à me traiter de petite vidange, de restant de fausse couche, de petite calice, de bercer trop proche du mur, de tabarnak, de mal fou, d'extrême droite, de calice. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est respecter ces gens-là. Ce sont des exemples pour notre société et pour nos jeunes. Alors, l'année 2023, qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça a passé beaucoup trop vite. On sent qu'on avait tellement de choses à régler, à vivre, à faire ensemble. Et puis là, tout à coup, on se retrouve en 2024, sous peu, et on sent qu'on a une nouvelle page blanche à remplir, mais la page qu'on quitte, eh bien, on n'a peut-être pas eu le temps de réaliser tous nos projets, mais ça demeure quand dans nous, la plume qui va écrire ce qui s'en vient est déjà prête à noircir toutes les pages avec exactement ce que ça prend pour qu'on puisse avancer, se retrouver, se solidariser et faire des choses puissantes et grandes, même dans les toutes petites actions. On ressent cette énergie-là, une énergie qui nous ressemble, une énergie qui est belle, une énergie qui vibre. Eh bien voilà, c'est ce que vous avez en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous n'avez pas besoin de décorer plus dans vos fenêtres, c'est déjà tout en vous. Et quand vous vous mettez à retourner vers vous, ben là, vous retrouvez tout ça. C'est une infinité de choses qui vous appartiennent et qu'il vous appartient naturellement de découvrir en même temps que vous découvrez les autres autour de vous, avec de l'émerveillement à tous les détours. Merci d'avoir pris le temps de me suivre cette année. Plusieurs savent que j'ai décidé de retourner au travail à temps complet, ce qui fait en sorte que j'ai un petit peu moins de temps à mettre dans les publications, mais j'en fais quand même assez régulièrement. Et ceux qui me suivent, ben, oubliez pas que vous connectez toujours autant avec moi et vous faites autant partie de ma démarche
que lorsque j'étais plus actif pendant plusieurs années. Donc, évidemment, je vous remercie d'être là, d'être vous, d'être unique, créateur et responsable de toutes vos actions, vos pensées, et vous m'inspirez non seulement par ce que vous êtes, mais ce que vous aspirez à devenir. Alors, à tous, à toutes qui m'écoutez, évidemment, une magnifique année 2023 qui se termine et qui ouvre les volets vraiment grands sur une année 2024 qui doit, comme à chaque année, nous appartenir en tout ce que nous sommes capables d'y investir. Alors voilà, et bonne année à tous! Bon, là, bonjour tout le monde. Là, j'attends qu'il y ait plus que 3 personnes dans le live. À 4, on part. En fait, aujourd'hui, j'avais l'intention de rétablir des faits, revenir sur ce qui s'est passé en 2020. Et je vais-tu là aujourd'hui? J'avais envie aujourd'hui de revenir sur ce qui s'est passé en 2020 et de remettre les boutons en 4 trous devant les trous, comme on dit. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer pour que laisser le temps aux 3 personnes de se joindre au direct. On va aller écouter un peu de musique et j'espère que ça va en faire réfléchir quelques-uns. On écoute ça. Tu portes le masque dans ton char à cause que tu regardes TVA. Tu suis les flèches à l'épicerie. Voilà, alors j'espère que ça en a fait réfléchir plus d'un. Enfin, avant de commencer le direct, je voulais dire à tout le monde que aujourd'hui, je vais remettre les boutons à 4 trous devant les trous, comme on dit. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au fond de ma pensée aujourd'hui. En tout cas, enfin, on va voir là, ce que ça va donner au fil du temps. Je tiens à préciser que je fais pas ce live-là parce que je suis un quêteux. Je demande pas d'argent. Par contre, si vous allez sur le site de Appel à la Je me mouille, en haut à droite, il y a une espèce d'onglet. Vous cliquez dessus, vous pouvez faire un virement. Ça va aller directement à mon compte, ou plutôt au compte de Appel à la Je me mouille. Donc, enfin, on va commencer aujourd'hui. Je voulais commencer par dire Samuel Grenier, pour moi, c'est un trou de cul. Gilles Bellerose, c'est un trou de cul. Daniel Pilon, c'est un trou de cul. Amélie Paul, la quêteuse, c'est un trou de cul. Mel Goyer, c'est une trou de cul. Enfin, j'ai pas de respect pour personne. Moi, je trouve que je fais un travail fantastique. D'ailleurs, depuis 2020 que moi, je me suis levé. J'ai donné mon micro à tout le monde. J'ai créé un mouvement, hein, Appel à la Je me mouille. Et enfin, je lis des discours extraordinaires. D'ailleurs, on pourrait aller écouter peut-être un discours que j'ai fait en 2020. On écoute ça. Bonjour tout le monde et merci d'être ici en ce samedi après-midi pour un autre rassemblement pacifique de Appel à la Je me mouille qui a donné son microphone à tous les influenceurs qui étaient ici présents ce soir. J'espère que vous êtes présents et que vous allez accepter que je vous lise les 32 pages que je vous ai écrites et c'est vraiment extraordinaire et je vous invite à réfléchir après que je vous ai fini de lire ceci. Donc je vais commencer immédiatement. Chers amis, merci pour le rassemblement qui était autrefois, tous présents dans la main, et enfin, vous avez tous suivi le moment où nous avons donné le microphone à chacun des influenceurs ici présents ce soir, même si nous sommes encore dans la prime. Tu veux-tu fermer ta gueule? Tu parles tout seul dans le désert, imbécile. Alors voilà, je pense qu'on va arrêter le direct là. Enfin, j'espère que ça vous a donné une petite charge émotionnelle pour le restant de la soirée, que ça vous a inspiré pour 2024. En attendant, je tiens à vous dire que moi, je suis pas un quêteux. Envoyez-moi pas de l'argent par Interac ou par PayPal. Moi, je suis pas là-dedans, puis je demande pas d'étoiles non plus. Par exemple, si vous voulez aller sur Appel à la Je me mouille, en haut à droite, il y a une espèce de petit onglet. Vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer de l'argent, là, une coupe de sang là, par la poste aussi. Ça, je l'ai envoyé, il n'y a pas d'argent, pas de problème avec ça. Mais en tout cas, c'est à votre discrétion. Je vous lance ça. Il y en a qui mettent ça dans du papier d'aluminium, là, puis envoient ça. Dans tout cas. Enfin, donc je vous souhaite une bonne année 2024, tout le monde, et à l'année prochaine. Salut, mes petits enfants! C'est rendu que mes lutins se posent des questions de genre. Guzu pis Babu, qui ont commencé à mettre des tutus. Oh, 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 oh. Ils ont pas de chromosome XX ou XY, eux autres, tiens. C'est des lutins. Oh, 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 oh. J'ai mes petits lutins bricoleurs qui ont essayé de me faire une gosser un traîneau électrique pour pas que mes reines laissent trop d'empreintes carbone.
Peux-tu vous dire que mes reines ont triplé leur empreinte carbone juste cette année tellement ça les a fait chier? Sur ce, ma gang de vous autres, malgré cette année de fou-là, je tiens juste à vous souhaiter beaucoup de santé puis d'amour. Occupez-vous de vous, d'être bien, de vos proches, de ceux que vous aimez puis qui vous ont pas ignoré. Puis en même temps, si ceux qui vous ont ignoré reviennent vous voir, profitez-en donc pour faire la paix. 2024, on va le faire à l'image qu'on veut qu'il soit. Pas en chicanant, pas en se battant, pas en se tapant dessus. Aimez-vous les uns les autres? Aimons-nous les uns les autres. Salut ma gang de vous autres. Jean-Claude s'est fait opérer. Ah ouais, il était malade. Non, il a eu la grande opération. Ah oui, c'est vrai, il avait pas un problème de glande thyroïde, lui. Ben non, je te l'ai dit, la grande opération. Dis-moi pas qu'il avait un problème de prostate. Non, la grande opération. Mais ça veut dire quoi, ça, la grande opération? Je peux pas te parler de ça dans l'église, là. Bon, ben laisse faire, d'abord. C'est fait couper le pénis. Le quoi? Le pénis? Hein? Ben oui, il était tanné d'être un homme, fait qu'il est devenu une femme. Attends un peu, là. Jean-Claude s'est rendu une femme? Ben oui. À cette heure, faut l'appeler Rita. Rita, tabarnak. Il n'a pas pu choisir un ongle de la nuit. Bon, ça va commencer, là. Rita Collis. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du jour de l'an. L'heure est au bonheur, chers amis. En cette nuit qui berce l'aube de 2024, faites en sorte que la nouvelle année qui s'annonce soit à l'effigie de la fin des complots, en provenance de ceux qui nous ont amicalement appelés des Covidiens. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Espérons que 2024 sera une année d'éveil pour les esprits qui somnolent, ainsi que pour ceux qui refusent la vérité. Que leurs éveils puissent être puissants. Amen. Amen. À tous ceux qui ont préféré le doux mensonge à la dure vérité, que leurs instincts soient enfin délivrés. 3 années d'attente et d'espoir dans un silence. 2024 sera, je l'espère, l'année qui rompt cette longue résilience. Que chaque jour de cette nouvelle année soit une éveillante clarté pour toutes celles et ceux qui cherchent la vérité. En cette messe de la nouvelle année, que chacun de vos chemins soit éclairé. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous un peu de répit et permets-nous enfin d'embrasser un peu plus la vie. Et plus que tout, protège nos familles. Amen. Amen. Et n'oubliez surtout pas que pendant ces sombres jours, votre plus fidèle allié restera encore et toujours l'humour. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Malik, change de poste, il m'énerve, lui. On m'a dit, il y a un cas qui se trouve sans, se fut siroir par la bande, le vieux rat se joint des vieilles. Il dit, j'occupe crucifix de la chambre, faut qu'on vienne sans plus attendre, je m'en mourir au diable du web. Et il fit le pantalon des milliardaires avec une grippe. Il ira fou comme Hitler. Et il fit 6700 dans un lit. Il injecta même les bébés. Il fit le dog à la plaine. Il m'a dit t'es conspi, c'est la loi, obéit. Convert du Sobora, qu'il vise à TVA. Je lui ai dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. T'es connard de médias, ils disent n'importe quoi. Pourquoi tu gâches ma vie? Pourquoi tu gâches ma vie?
que tout le monde aime. Plantati dans ma ville sanctuaire, j'accueille queer et non-binaire, que les autres aillent en enfer. Elle agit comme s'il y aura plus d'hiver, elle impose à son plan vert, ce futur n'a pas de quoi plaire. Et elle vit l'idéologie sectaire, 200 voyages en première, sur le bras de ce admettre. Elle me dit, elle me dit, t'es conspice, c'est la loi obéie. Combien tu sauveras qu'il désinté TVA. Je lui ai dit, t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Ces connards de médias, ils disent n'importe quoi. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ma vie? Pense, pense, pense. Hey, hey! Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les Canadiens d'un océan à l'autre qui écoutent présentement le Bye Bye. Merci à Simon-Olivier Fecteau de m'avoir demandé de faire une petite apparition pendant le Bye Bye pour m'adresser aux téléspectateurs et pour leur dire à quel point je leur souhaitais une très belle année 2024. C'est vraiment, vraiment apprécié cette ouverture que vous avez finalement. On en est très, très fiers et je pense qu'on a intérêt hein, à pouvoir travailler ensemble. Ça fait que je suis vraiment... Arrête-moi ça, c'est pas bon ça. De quoi c'est pas le bye-bye. C'est pas le bye-bye? C'est pas le bye-bye. Tu m'as dit le bye-bye? C'est le ciao-bye. Ah, oh, le ciao-bye. C'est chaud, Gilles Bellerose. Ah, oh, c'est Gilles. Oh, oh. Ben, on va en faire pareil. On recommence ça. OK. Hey! Bonsoir tout le monde qui écoute présentement le Ciao Bye. Merci beaucoup d'être là. Et Colin, que j'étais content quand j'ai su que Gilles, il refaisait un Ciao Bye. Puis qu'il me demandait de pouvoir faire une petite allocution. Un petit deux minutes pour vous souhaiter de ce qu'il y a de mieux. Moi, je vous souhaite là d'avoir du fun en 2024. Boudez pas votre plaisir. Soyez heureux. Créez votre événement et ça va être d'ailleurs ça mes vœux pour la 2024, c'est de créer l'événement. Moi, ça va être ça ma motivation 2024. Je vais créer l'événement et mes vœux, c'est que vous soyez, que vous ayez du fun. Parce que la vie, il faut avoir du fun. Tout le monde va vous souhaiter de la santé, tout le monde va vous souhaiter de l'argent, tout le monde va vous souhaiter du bonheur, tout le monde va vous souhaiter plein d'affaires. Moi, je vous souhaite des tartes au sucre si vous aimez ça. Moi, je vous souhaite des cafés entre amis, si c'est ce que vous préférez. Moi, je vous souhaite les meilleurs films d'amour, si c'est ça qui vous fait passer du bon temps, puis en oubliant vos problèmes. Je vous souhaite d'avoir du plaisir. Ayez du plaisir, créez votre événement, soyez responsable de votre bonheur et surtout, boudez pas votre plaisir. On se revoit en 2024. Salut tout le monde. Nous nous égarons. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 31 décembre 2023. Oh, attendez un petit peu, on me glisse à l'oreille. Breaking news, il semblerait qu'il y ait plusieurs dirigeants qui souhaitent prendre la parole. Alors nous leur cédons l'antenne tout de suite. Salut, ici Volodymyr Zelensky. Alors je voudrais dire vous que je n'ai toujours pas avoir reçu enveloppe cadeau de Noël avec un gros chèque. Ukraine toujours avoir besoin de vos dons. Slava Ukraini! Bonsoir, ici Vladimir Poutine, ou l'un de ses sosies. J'aimerais souhaiter à mes camarades occidentaux une bonne année 2024 malgré nos différends. Et j'espère qu'éventuellement, nous pourrons revenir qu'à nous parler. Je suis Xi Jinping, maître de l'Empire de Chine, leader de la République populaire du régime communiste, votre diligent bien-aimé et respecté. Gloire à mon pouvoir! Je suis Ursula von der Leyen. Vous savez très bien qui je suis. Vous me détestez, mais moi, je vous déteste encore plus. Alors, pour 2024, tout ce que je souhaite, c'est que la destruction de l'Europe se poursuivra. Mes chers concitoyens français, françaises, outre-mer, colonies, territoires occupés, l'Europe, pardon, la France, ainsi que ma ravissante femme et moi-même, vous souhaitons bonne année. Vive la République! My fellow Americans, you know the thing. Whatever. What am I doing here? My handlers did not tell me what to say.
All the children in the room, come here. Au nom de tous les Canadiennes et Canadiens, Premières Nations, membres de la communauté LGBTQ2ASS+, musulmans, noirs, je souhaite une bonne année aux Ukrainiens. Je suis cocu, gay et communiste. Ici François Legault, là. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes avec votre famille, parce que c'est important, là. Puis en plus, faut pas oublier une affaire. Il faut qu'on continue. C'est Christian Dubé. Fait que là, j'espère que vous avez été chercher vos doses de rappel. Normalement, vous devriez en avoir déjà reçu deux d'ici au mois de janvier. Puis après ça, ben prenez vos rendez-vous pour vos futurs vaccins. Sergent Guilbeault ici. Ma résolution pour 2024, c'est de continuer d'allonger la liste de mes ennemis. Puis pensez pas m'avoir, derrière moi, c'est ma nouvelle limousine de fonction. Fait que watch out. C'est Bruno Marchand. Mon projet pour 2024, c'est de multiplier mes voyages à l'étranger pour sauver la planète, faire des pistes cyclables pour désengorger les routes et construire un tramway que personne n'y veut. Salut, c'est PSPP, le gars avec les sourcils épilés au laser avec grand soin. Québec mérite sa monnaie, son armée, devenir le siège social de l'ONU, de l'OTAN, de la francophonie et de l'univers. Bonne année! Je être Klaus Schwab, architecte de Grand Reset et de quatrième révolution industrielle qui déjà pas fonctionné. Pour sauver planète, vous devoir eat the bugs, vivre dans pod et nous être heureux qu'à solution finale accomplie. Alors, sur une note un petit peu plus sérieuse, premièrement, j'aimerais remercier Gilles de Games and Roses pour m'avoir invité pour une troisième année pour son incontournable show by. Alors, c'est à mon tour maintenant de vous souhaiter la meilleure des années 2024, la santé, la joie, le bonheur, la prospérité. J'espère que vous réussissez à bien vous en sortir malgré tout ce qui se passe. Alors, en 2024, eh bien, nous allons tout simplement nous retrouver dans de futures, j'espère, revues de l'actualité où ce qu'il y aura un maximum de bonnes nouvelles. Prenez soin de vous. Bonne année. Je m'égare. Salut mon ami Gilles Bellerose, j'espère que ça va bien, en direct du Québec, où est-ce qu'on se gèle? Pour la première fois, je pense que je fais cette vidéo et je suis en direct du moins 4 ici au Québec. D'habitude, je suis un peu partout dans le sud. Une autre année, je crois, de vérité qui s'en vient de plus en plus. Les gens se réveillent lentement, mais sûrement. Félicitations à tous ceux des dernières années qui sont vraiment là, à l'avant-scène, à propager ces nouvelles-là, et à écouter, et à continuer à propager ce qu'il faut que les gens entendent, dans le fond. Fait que, OK tout le monde, à plus. Bonne année 2024. Ciao, bye. Salut tout le monde, bye. On s'égare. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Comme vous le voyez à l'écran ce soir, nous avons beaucoup de sujets à traiter, entre autres cette crise de folle qui se pense détentrice de pénis alors qu'elle a jamais été un homme. Nous avons également ce clown qui s'est évadé de l'Institut Pinel et qui se prétend comme étant le drag queen transpi non-binaire non-genré queer et que selon ses propos, ceci lui donnerait le droit d'aller déféquer dans les lavabos d'une école primaire. Donc, en résumé, cet individu-là s'en va dans les écoles primaires et il défèque dans les lavabos. Évidemment, Valérie Plante a pris sa défense en disant que c'était un gars qui souffrait de maladie mentale. Non, non, non. Bien entendu, entre malades mentaux, c'était certain qu'ils allaient se couvrir les uns les autres, ce qui fait d'eux des salopards. Voilà! Alors, ici, on a un article du journal Le Devoir qui mentionne que le taux de reproduction des kangourous au Québec est en forte diminution à cause des changements climatiques. Évidemment, toutes les raisons sont bonnes pour les mondialistes pour faire croire aux faibles d'esprit qu'il y a véritablement des changements climatiques. Parce qu'essentiellement, plus qu'on fait peur aux gens avec des débilités, pareil, plus que les gens sont faciles à manipuler. Et plus les gens sont faciles à manipuler, plus qu'on les manipule. Voilà! Je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, je vous parlais d'artistes québécois qui ont réussi à percer avec de la musique de merde. C'est zéro recherché, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que vous croyez que ces artistes-là, ils ont réussi à percer à cause de leur talent? La réponse, c'est non. On pense entre autres à Roxane Bruno qui est lesbienne, à Sophia Nolin qui est bisexuelle, ainsi qu'à Hubert Lenoir qui est totalement ambigu. Croyez-vous que c'est grâce à leur talent qu'ils sont là? Mais non, c'est plutôt parce que ces gens-là correspondent à un agenda mondialiste qui fait sentir les hommes comme des moins de rien.
Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Si jamais il y a des gens qui veulent faire des dons à Radio-Québec, vous pouvez le faire au 9222, appartement 12 à Orlando. En attendant, s'il y a questions, commentaires? Non? Parfait. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Salut la gang! Chaque plaque a tellement d'informations que des fois, c'est difficile de les retrouver. Mais Gilles Bellerose fera un clip là-dessus. C'est parti, cette affaire, yeah! Wake up! Soyons lucides, wake up! Wake up! Soyons lucides, wake up! La vois-tu, la gamique? Crypto-médiatique qui propage la peur. Si tu capotes, ben, ils font plus de fric. Wake up, soyons lucides. Wake up, soyons lucides. C'est comme ça dans le cinéma, dans les fréquences de la musique pop. Ça commence à maternelle et jusqu'au doctorat. Wake up, soyons lucides. Wake up, soyons lucides. Avec moi. Wake up, soyons lucides, wake up. Wake up, soyons lucides, wake up. Les pervers narcissiques du monde de la politique profitent de nos grands cœurs, nous vident les poches pour la cabalinique. Wake up, soyons lucides, wake up, soyons lucides. On nous garde dans le coma, on a légalisé le pot. Petit salaire à la semaine de la naissance au tripas. Wake up, soyons lucides. Wake up, soyons lucides. Y'a Big Pharma qui nous shoot poison dans les veines. Tout un cocktail pour sauver la race humaine. Wake up, soyons lucides. Wake up, soyons lucides. Sortons de l'hypnose. On y va. Wake up, soyons lucides, wake up. Wake up, soyons lucides, wake up. Tout est énergétique, soyons plus dynamiques. Faut y mettre tout notre cœur pour qu'on s'en sorte et s'unir au plus vite. Wake up, soyons lucides, wake up, soyons lucides. On n'attend plus rien des syndicats, tout ne viendra que de toi. Attends pas la semaine prochaine, ça commence. Traite-la, wake up, soyons lucides. Wake up, soyons lucides. Wake up, soyons lucides. Allez mon frère, allez ma soeur, à l'action. Unissons nos forces, soyons heureux. Partageons, trocons, tournicotis, tournicotons. Je pense qu'il s'égare. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en plein temps des fêtes. Tout le monde prend un petit drink, j'espère. Tout le monde a du plaisir. Donc, Stéphane Blais, président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, en compagnie de Guylaine Renaud, vice-présidente marketing, et Daniel Saint-Hilaire, vice-président relations publiques. Gilles, tu nous as demandé de nous dire peut-être qu'on s'égare, mais malheureusement, on peut pas s'égarer quand on est une fondation comme la nôtre, puisqu'on a un devoir d'accomplir notre mission, soit de défendre, informer, et mobiliser la population. C'est ce qu'on fait depuis mai 2020. On vous aime, on vous embrasse. À bientôt. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bien oui. Ceux qui ne me connaissent pas, qui ne suivent pas les nouvelles, ben, ils disent là, non, pas un autre plat qui va faire des nouvelles. Bon, OK. Effectivement. Non, on ne parlera pas de... faudra pas parler, bien sûr, de volcans. Non, c'est pas le but de cette émission. C'est pas non plus le but de parler du soleil, de météo et autres. Mais... tempête de verglas, ben j'espère qu'au moment de la diffusion de cette vidéo, il n'y aura pas de tempête de verglas au Québec, ce qui pourrait être possible. Parce que, vous savez, on va être dans la merde parce qu'on ne sait pas, on va peut-être manquer d'électricité. On n'est pas prêt, c'est notre premier hiver. Bon, c'est aussi supposé être le dernier. Ah, on ne sait pas. C'est pas clair. Hein? Ils ne savent pas ce qui s'en va avec les prédictions. Mais là, ça prend un segment intéressant. Oups, non, il ne faut pas que je parle d'économie. Ouais, ça, cette affaire-là. Segment licorne et niaiserie, ben ça, je pense que ça peut aller. Dans ce segment-là, toute la gang qu'on connaît ici, hein, on a toute une batch. Écoutez, juste cette image, on pourra en parler 2 heures de temps, ça n'a pas de sens. On ne parlera pas de jardinage non plus. Non, l'Halloween s'est passé.
Ah, ah, tabarnouche, non. Ben, c'est quoi, c'est dans le thème. Au moins, c'est drôle. Tu sais, quand même. Non, non, mais ils ont-tu une belle face, ceux-là? Hein? Quand même. Quand même. Ils font un effort. Ils font un effort, il faut dire. Ben, heureusement, dans tout cet état de surdité-là, on a eu Bud Light qui a fait une belle campagne pour empêcher le monde de boire. Ça a marché. Heureusement, il y en a qui se lèvent et ce sont souvent des femmes. Rally Gaines, All Guts, No Nuts. Oui, une bonne bière. Pourquoi pas? Et une autre femme qui s'est levée. Ben oui, elle dit non. Face à l'absurdité, c'est ça qu'il faut, hein, dire non à l'absurdité. Tucker Carlson, Fox News, bye-bye! Ben oui, ne jamais se rendre. FNL supporte la liberté. Dernière question, supporte la liberté. Ça me fait plaisir. Hein? Et Elon Musk aussi. Oh, il a mis le feu à la cabane, c'est quoi de dire, hein, 2023. Oh, oh! Et une chance qu'il a fait ça. Et Maxime aussi continue. On lutte, hein, parce que la liberté, ça n'a pas de frontières. Ça prend des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire non à la bullshit. Et celui de Diane, ainsi que toute l'équipe FNL, Dominique, Sébastien, en mon nom, lui, tous ceux et celles qui contribuent, chers indomptables, et ainsi que de la part de Maxime Bernier, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 qui sera une année de révélation. Et voilà, c'est ainsi que se termine enfin l'aventure de 2023 et que débute la toute nouvelle aventure de 2024. C'est donc le cœur rempli de joie et de satisfaction que je vous souhaite la plus belle année 2024 possible. Que cette année soit remplie de bonheur, de santé et pourquoi pas renouer les ponts avec des gens qui vous ont tourné le dos au cours des 4 dernières années. Au final, je veux simplement vous souhaiter l'année la plus prospère possible étant donné les malades mentaux qui dirigent les sociétés du monde entier. Bref, j'espère que vous avez apprécié votre soirée qui résulte à 2 mois d'énormes sacrifices. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à devenir membre Patreon et YouTube de Games & Roses. Ou encore d'apporter une contribution volontaire avec les liens qui sont dans la description. Là-dessus, tout le monde, je vous dis un gros, gros merci d'avoir été là encore une fois cette année en si grand nombre. Merci tout le monde de faire partie de la grande aventure de Games & Roses. Et à bientôt. Où la vie te semblait plus sweet. Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous, que le bonheur tenait dans ta poche. C'était bien avant de comprendre. Tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule. Que mon amour te vole, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face aux vents d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soit ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on est cop, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que de la psychopop, au fond, rien n'a du sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Non, j'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, et chacun nous fait comme il peut. Pour on tombe, puis on se ramasse, essaye d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches. Dans un monde qui partout tient avec la broche.
mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Non, bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pillon. Bonjour, mesdames et messieurs. Solution pour les chasseurs en ville. Effectivement, Jean-Bert. Câlisse. Oui, bonjour, madame. J'appelle, en fait, parce que je suis en train de regarder une émission troublante sur Internet, là, présentement. Je regarde le show de Mike Ward, puis il dit quand même que... Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Serge Chenichal. Alors c'est très facile, surtout si vous êtes dans la région de Montréal, ça arrive bien vite. Que cette année soit remplie de joie. De joie, Chris, la joie. Lâche la joie, Belle Rose. Chroniqueur, libre-penseur et bienvenue à ce live. C'est calice. Solution pour les gens de la ville, voilà. Ici, Oups! Mes mains se sont retrouvées de même sur la tasse et j'espère que pour quelqu'un, ma face. Ah ben, tabarnak. Belle Rose m'a demandé de cuisiner une dinde. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Serge Chenichal. Et là, la lumière est pas bonne, fait qu'on va recommencer. Pas un symbole franc-maçonnique quelconque, de santé. Et pourquoi pas de... Oups! Mes mains se sont retrouvées de même sur la tasse et j'espère que pour quelqu'un, ça représente pas un symbole franc-maçonnique quelconque et que ma face se retrouve pas en... Sacrement! Je devrais faire des phrases plus longues. Fais des phrases plus longues le prochain Chabert, mon Gilles. Un vraiment bon rapport! Maudite cochonnerie de technologie. Hein, José? Donc aujourd'hui, je base mon émission pour vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait bien faire pour essayer de sauver l'humanité des... Oups! Mes mains se sont retrouvées de même sur la tasse et j'espère que pour quelqu'un, ça représente pas un symbole franc-maçonnique quelconque et que demain, on monte ma face! Raison numéro 2, On se calme. Hein? C'est juste une ligne de texte. Rien là. Donc, dans ma générosité... Bon, c'est bon, ça. Ça a de l'allure, ça. Ah ouais, t'as peur, c'est pas fini. Mais sachez une chose, c'est que ce soir, le 24 décembre, le 24 décembre, tabarnak, on est le 31, câlisse. On va commencer à préparer la cuisiner. Donc, aujourd'hui, je fais une émission pour essayer de vous expliquer comment... Câlisse. C'est donc avec le cœur rempli de joie et de satisfaction que je vous souhaite la plus belle année. Réveille! Continue de bord, et tu as fait un bel job, bon travail, yeah! Le célèbre animateur Daniel Pillon n'a toujours pas de trouvé. Bravo, t'es bon. C'est avec une grande joie et une grande satisfaction. Fais quoi donc? J'ai oublié le texte. Mais je suis une militante pro! Que cette année soit remplie de joie. De joie, oui. Effectivement, Gilbert, et on s'attend à ce que... T'sais, j'espère que ça ne représente pas un symbole franc-maçon. Yeah! Raison numéro 2. Cuisiner, la principale intéressée pour moi de vous accueillir sur ce magnifique Chabay. C'est magnifique. Pourquoi qu'il est magnifique? Un 1er janvier, il neige, Gilbert! Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une émission pour essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour essayer de sauver l'humanité des méchants changements climatiques. C'est ainsi que prend fin la grande aventure de 2000. Vous voyez que j'ai des gros cheveux, j'ai une grosse robe, j'ai une grosse bosse. Mon nom est Gilles Belle-Rose et ça me fait plaisir. C'est un honneur, Gilles. Ça me fait pas plaisir, c'est un honneur. Crise de mouche. Elle vient se crisser sur mon micro. Je suis en route pour aller trouver l'objet qui nous identifie. Connu, chose connue. La gratte ma poche. Non, mais regardez ça, comment est-ce qu'elle est belle, madame. Calme-toi, dame. Calme-toi. Et là, si tu peux, tu fais sortir le goût du gâteau. Là, il y en a qui veulent rajouter un petit peu de goût, des fois. Mais là, madame Tremblay, l'affaire qu'il faut vous dire. Câlisse. C'est donc le cœur rempli de joie et de satisfaction que je vous suis plus capable de parler. En provenance de ceux qui nous ont pourtant étiquetés de Covidio, calice, pas dur. Vous risquez qu'une roche se glisse à l'intérieur de l'artère.
l'artère principale du cœur. Je trouve ça lettre, ça a pas de bon sens. Bon, en gros, c'est ça. Eux autres, ils se pètent la tête sur des dos down, puis après ça, ils se trouvent une page Facebook, puis là, ils donnent leur hostie d'opinion de marde. C'est un honneur pour moi pour la quatrième année de suite. De suite, oui. Ça fait parler de Marois un peu. Et là, on prend la pomme et on l'insère bien profond. On pourrait toutes les envoyer dans des camps de concentration. La plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi pour mentionner, souligner. Ah, ben même ma galotte, les couilles revolent, let's go. J'étais en train de frencher ma sœur en dessous d'un corps de porte pendant un party de Noël à Sainte-Agathe-des-Monts. Je m'égare. Donc c'est bien beau les étoiles sur Facebook là, mais si jamais vous avez la chance de pouvoir acheter un billet, même si vous venez pas, c'est pas grave. L'armée américaine nous a envoyé une vidéo qui démontre comment le. C'est ainsi que se termine la grande aventure. Donc, là, je le sais, ici... Mais là, Mme Tremblay, il y a une affaire qu'il va falloir vous rire. Sacrément, je suis plus capable de parler. Bienvenue à ce Chabaye 2023. Je le sais, il y en a pour qui... Calice. La plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi pour mentionner que l'année 2023 était pour rien. Vous me demandez à moi si je suis fan de Bardébada. L'armée américaine nous a envoyé une vidéo qui nous démontre comment... Sacrement de calice. Donc ça, c'est beau. Parce que la corruption n'a pas sa place au Canada. Oh! Ouah. Je l'avais dit que c'est une opération délicate. Donc là, Mme Tremblay, on arrive dans la salle de bain et sur la fiche descriptive sur Internet, c'est inscrit que cette salle de bain-là n'est pas terminée, mais pas finie. On peut souhaiter le meilleur pour 2024, même si je suis... La plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi pour mentionner. Souligner, Gilles, souligner, lâche pas. Pas tout à fait. Parce que ça peut aussi être une femme bizarre qui se transforme. Donc ça vient boucher comme il faut, là, le trou, là.